Le monde change tout autour de nous, de nous. Pokémon Youtube. On veut tous être le meilleur dresseur et prouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur d'un dessin qui paraît incroyable. Chaque jour qui passe, tu progresses et tu deviens plus fort. Tu te surpasses, continue, tu t'améliores. Oh, le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change, c'est fou, mais il reste le même malgré tout. Car il faut tous les attraper et être plus déterminé. Tu es le petit paru. Le monde change tout autour de nous, de nous. Car il faut tous les attraper et être plus déterminé. Allô. Alors, je me demande s'il n'y a pas eu un lag, il y a eu un bug là-dessus, sur la transition. C'est pas grave, bonsoir. Azam, Yosko. Et autres éventuellement. Ça va? Mais Yosko, il entend pas, bah super. Déjà, je vais augmenter le son du jeu. Même s'il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de musique dans ce menu. À part un son d'ambiance, que moi-même je n'entends pas. Merci Liosco. Ah, je me mange une petite gaufre. Enfin, il me reste que des miettes maintenant. J'ai tout bouffé pendant l'opening. Et je pars directement sur la suite de ce jeu maudit. J'aurais déjà dû le finir ce jeu. Putain, j'ai fait que 3 sessions. C'est la 4e ce soir. Depuis le 28 janvier. Depuis un peu plus d'un mois. Incroyable. Ça ne me ressemble pas. En tout cas, je suis bien installé. J'ai une toute nouvelle chaise. Je me rappelle plus où j'en étais. Oui, les marais. Il va encore falloir réapprendre à jouer à ce jeu. Putain, c'est comme Breath of the Wild. Hein. Chaque fois que tu reviens dessus, c'est complexe. Je vais augmenter le son de mon... De ma Téloche aussi. De ma Sébastien Téloche. Alors, oh c'est beau, c'est le printemps, il y a des arbres, alors. Oui, c'est vrai qu'il y a des vortantes, c'est vrai que j'ai un ours maintenant, putain, j'ai l'oursa king. L'oursa king, le radar. Hop là. Les galets noirs. Les galets king. Je sais plus jouer au jeu alors. X, non, c'est R, voilà. Oh, j'ai beaucoup de balls. J'ai beaucoup de Pokéballs. Niveau supérieur de plein de mecs. Spécimen attrapé sans qu'il vous repère. Mais il m'avait repéré. C'est quoi ce vieux simularbre? Il m'avait complètement repéré. On peut faire des roulades, ouais. Je sais plus jouer au jeu. Les Pokémon, c'est comment? C'est comme ça. Tu le captures ou pas, lui? Il a l'air dégueu. Tornade. Pas comme ça. Vaincu par une capacité de type vol. Non mais attends, c'est quoi ces Pokédex encore là? Oh là là. C'est ça le Pokédex? Attends, j'ai jamais regardé le Pokédex, je me rends compte. Oh, il y a un Zarbidex. Y. Toug. Non, j'arrive pas à lire le Zarbi, putain. Y'a pas un interprète Zarbi? Interprète! J'arrive pas à déduire, c'est ça le pire.
C'est un B ou c'est un G, le Zarbi qui ressemble à un 8 là? On va dire que c'est un B. Tout. Tourbe. Non, c'est pas possible. Arbre. Arbre. Ah si! Tourbe, arbre. Tombe. Ah, il donne des indices pour les autres, c'est ça? Non? Ou alors je craque complètement. Tourbe, arbre. Ah non, c'est un indice pour le trouver, d'accord. Ah ouais. Temps. Temps. Anéano. Ah putain, je suis une merde. Je suis une merde en Zarbi, tant pis, c'est pas grave. Ouvrir. Comment ça n'habite pas ici? Je comprends rien à mon menu. Il y a trop de choses. Il est où le Pokédex? Moi, je cherche le Pokédex. Mais si, c'est le Pokédex, hein. Ah, mais si, c'est ça. Quand j'étais petit, j'adorais faire ça. Quand j'avais fini, enfin quasiment fini, en tout cas le Pokédex d'un jeu Pokémon, je passais 1000 ans à tourner les pages du Pokédex, juste pour les voir et entendre leurs cris. Oh, je t'adore, puisque quoi que t'es trop stylé. Pourtant, on dirait le Psycho Quack, il a été fait sous Blender là. Tu mets une boule au-dessus, tu mets 3 tifs. On pourrait le changer en Homer, le truc. Bon, j'ai dit qu'il fallait aller taper Fragile Lady en. J'arrive pas à me fixer mes objectifs. Faut que je chope des noix grumes. Très important ça. Ça, je peux les ramasser, oui. Parce que on est considéré comme caché là-dedans. Il y a trois brins d'herbe et on est caché. Bon, si vous voulez. Oh, ça me va. Hein. Bien dans ton cul. Poké suppo. 3 spécimens attrapés. Quel talent. On en a plein ici. Ah mais je sais où on est. Mais oui, mais je me rappelle. Il faut aller là-haut pour aller chercher Fragile Lady. Mais je m'étais encore arrêté parce que je suis un connard. Il y a un truc en haut là-bas. C'est bleu. Ah mais non, mais c'est juste un galet azur là. J'y vais quand même. Je ne peux m'en empêcher. Comment il saute lui? Il saute! Voilà. Et d'ici j'ai une vue imprenable. Il pleut! Breath of the Wild. Quand il pleut, il doit y avoir d'autres Pokémon, non? Déjà il fait nuit donc il y a un Nosferalto. Caché hein. Je suis caché. Oh. Bim. Dans le dos, tel un fourbe. Quoi? Non mais je suis pas là. Mais il m'a vu, Jean. Il y a un manzai là-bas. Bon, je vais le fumer parce que il m'emmerde. C'est quoi ce bruit?
Easy le game. Niveau supérieur pour les flèches. Capacité maîtrisée, parfait. Il lui manque quelques niveaux et il deviendra... enfin un archiduc. Alors lui, là. Tiens, et dire que Noam, il avait du mal à en trouver. Mais il y en a partout. Hop, dans le dos. Et je vois un simularbre là-bas. Je vais me faire plaisir avec... avec les arbres, là. Moi, je les aime bien, moi. Tac. Quoi? Mais c'est... Il est horrible, ce jeu. Les hitbox des arbres sont gigantesques. C'est n'importe quoi. Hop, c'est attrapé. Je vais essayer de me faire une réserve d'apitrie. Paras! Je crois que j'en ai pas attrapé beaucoup parce que eux, ils agressent, ces bâtards. Oula, oula. Calmons-nous. Monsieur Paras. Je ne te veux pas de mal. J'ai le fumé en un coup, ça va être chiant. Ah, mais il y en a deux. Il est où le deuxième? C'est lui là? Toi qui veux te battre? Non, mais il me fait trop mal, Paras, c'est n'importe quoi. Bon, certes, c'est un coup critique, mais il a 10 niveaux de moins que moi, le mec. Paras, pour moi, c'est un Pokémon de merde. C'est pas possible, là, de... Faut baisser un peu mon son, parce que j'ai l'impression qu'on l'entend dans le micro. Mais chiant, putain. Casse-couille! Et puis eux, ils me voient de super loin. Oh, il y a des cornèbres! Oh, le cornèbre là-bas! Je vais me le faire. Mais il y en a plein! Le système de log de ce jeu est pété. Hein. Y a un problème. Hein. Oula là. Il y a 15 cornèbles là. Ils vont tous m'attaquer en même temps, vraiment? Moi je vous fume. Hein. Cornèbre prend la fuite, mais il est complètement con. C'est quoi ce Pokémon de merde là? Venez, venez. Les mecs ils font genre ils m'attaquent et en fait ils se barrent. Vas-y, attaque, mec. Il est sur ses gardes. Aboiement. Et tu es un oiseau. Dans tous les cas, croc éclair. Il évite l'attaque. Il a fait... il a fait un pas de côté. Et il s'enfuit. Putain, mais c'est chiant. Oh non, mais ça va être casse-couille. Il y en a, mais il me voit de super loin, en plus. Oh non, mais ça va être chiant, les cornèbres. Je sens que ça va être un Pokémon de merde, ça. C'est quoi ça? Oh! Une flamme. Plus que 11 flammes, ouais! J'ai bientôt fini le jeu. Oh la musique! Chut. C'est la musique. Oh non, mais qu'est-ce qu'il branle, le Nosferalto, il coupe la musique! Enculé! Tiens. Heureusement que j'attaque avant. Ouais, la musique. Il me faut un Vortente. Je crois que j'en ai eu qu'un. Ah oui, c'est comme ça qu'on voit les Pokédex. Non mais ça, il y a des trucs... Nombre de fois où l'espèce a utilisé le style puissant. Putain, mais c'est casse-couille. C'est quoi ces missions, là? Spécimen baron attrapé. Spécimen de grande taille. Fort.
Donc ça là, je peux les péter aussi, ces tas de feuilles. Mais oui. Et il y a des trucs dedans. J'étais juste trop con. Évidemment. L'arbre bougeait. J'ai fait genre de ne pas le voir, mais... Petit choc mental, ça devrait suffire. Il est niveau 18. Bien sûr. Nature liche, comme disent les Allemands. Qu'est-ce qui m'attaque? C'est toi qui m'attaque? Tu veux quoi, toi? Mais que veux-tu? Putain, mais mon micro, il capte grave la télé, en fait. On met de 20. Ça a l'air d'être mieux, là. Putain, c'est casse-couille, ça, aussi. Tout est casse-couille! Tout est super pourri. Je me cache. Non! Parfait. Bon, je dois aller où? Là-haut? En passant par là, ça devrait le faire. Je sais pas. Je connais App. Je vais prendre l'ours. Putain, mais oh, l'ergonomie, j'y arrive pas, hein. J'arrive pas à me faire aux touches du jeu, c'est fou. Pourtant jouer à Breath of the Wild des centaines de... Avec ses touches... Oh là, oh, il y a un coup de langue. Petit coup de langue. C'est quoi cet endroit là? C'est un baron lui? Oh non, c'est un baron. Oh, on fait chier. J'étais heureux. Ça n'a pas duré longtemps. Oh, cassez-vous. Chelou cet endroit là. C'est en plus je m'éloigne de mon objectif. Ah, il y a quand même des excellents. Quoi? C'est quoi ça? Mais c'est dégueulasse. Mais la météo dans Pokémon. À cet endroit précis, il y a de la brume. Précisément, hein. Là, non. Là, oui. Là, non. Bon, j'ai excellent, il a l'air gentil là. Bonjour. Oh, il a l'air tellement gentil. Tiens. Mange la kéké de boule. Comment? Dans ton dos cette fois. Merci. Merci, au revoir. Petit ours, est-ce que tu trouves un truc? Attendez, ici il y a des tombes. Il n'y avait pas un indice de Zarbi? Il m'attaque! Je pensais qu'elle allait fuir. Un trésor de Kellogg's. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est un vieux poème. Putain, le 2, trop bien. J'ai eu le 1, le 2 et le 9. Je suis plutôt dans l'ordre, hein, sauf le 9. Je vais le lire maintenant, même si j'en ai rien à foutre. Ouais, ouais. Ok. Boum! Je crois que j'en ai déjà un en plus. J'en ai déjà trouvé un à Tarsal. Ouais, bah 4 sur 6, ou alors. J'en ai déjà 4. Par contre, son évolution là, Kirlia, je crois. Curling. Oh! C'est le truc de Spiritomb. C'est donc là qu'il faut ramener toutes les flammes. J'ai trouvé l'endroit. Oh, c'est beau. Examiner, c'est bien ça. Une aura inquiétante se dégage des étranges. Je suis sûr de cette pierre. Cette pierre est ondine.
Bon. Il me faut des flammes. Mais pourquoi ils ont pas peur de Oursa King, putain? Je suis sur un putain d'ours. Ils en ont rien à foutre, les Pokémon sauvages. Ils devraient en avoir quelque chose à foutre. Ils devraient tous se chier dessus. Petit excellent là. Tiens. Oh, les Pokémon comme ça, ils sont tellement parfaits. Les Kyonotor, excellent et tout. Les neutres. Ils s'enfuient pas, ils t'attaquent pas. Ils sont tout mignons. C'est les meilleurs. Tu me vois pas, je suis derrière le pilier. Tac. J'entends un cri, mais c'est quoi? C'est lui là? Le coup de langue qui fait ses bruits bizarres. Hop, Kirlia, c'est bon. Sans qu'il vous... Ouais, encore un rhinocorne. Paf, dans ta tête. Comment? Lui, il s'enfuit, mais son évolution m'attaque. Je vois les gens. Du fer. Hop, je triche. Pof! Dans ta tête! Dans la nuque! Dans la Nocturne! Quoi? Prends ça. Tu vas rentrer, hein. Mais je t'attends à la sortie, hein. Voilà. Quand on les attend à la sortie de l'école, tout de suite. Tout de suite, ça se calme. Ah, mais ici aussi, il y a de la brume. Comme ça. C'est excellent encore, tiens. Et je t'attends à la sortie de l'école. Je t'ai dit quoi? La racaille. Et voilà. Pourriture! J'attends les Pokémon à la sortie de leur école pour les frapper. On va fumer un Vortante, ça fera plaisir au Pokédex. Plaisir au professeur de savoir qu'on a défoncé un Pokémon. Petit choc mental. Il est pas type poison, Vortante, je crois. Qu'est-ce qu'il fait? Non, ma chouille! Oh, il me one-shot! Comme ce jeu est bizarre. Hein. Mes stats ont pas l'air de servir à grand chose. Qu'est-ce qu'on fait? Vivre à quoi, évidemment? Merde, j'ai froid. Oh voilà, je suis bien ici. Mais je suis trop con, je fais vivre à quoi alors que c'est un Pokémon plante? Je ne sais plus réfléchir. Petit météore. Et je me mets une couverture comme un yeuve. Oh, je suis bien calé là. Parfait. Perfect. Ah merde! Un message de Nizo. De Nizo K. Voilà. Hop, je suis back. C'est bon, je suis là. Bon, du coup, je suis monté ici pour rien. Ici, il y a juste le truc de Spiritomb, très bien. On est où sur la map? Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. On est vraiment tout au nord, quoi. On est pas... C'est par là, le truc de Spiritomb, du coup. Si je ne m'abuse. Avec... Oh, le lac Courage, vraiment? Tiens, c'est marrant, ça. Faudrait que je regarde la map de Sinnoh. Pour voir si c'est vraiment là. Et donc, moi, je vais ici. Très bien. Eh bien, allons-y, hein. J'aimerais bien soigner quand même mes Pokémon avant. Ça pourrait être une bonne idée.
Mais j'ai un peu la flemme de faire demi-tour. Parce que pour revenir, je vais faire... Déjà, je vais avoir du mal à me repérer. Et en plus, je sais que je vais faire des détours. Je cherche mon chemin, je fais des détours. J'ai repéré un truc, là. C'est où ? Ah ouais. C'est ici. Galet noir. Mais je suis encore... Mais attends, mais j'ai l'impression d'être revenu au même endroit. Qu'est-ce que je branle dans ce jeu? Je fais n'importe quoi, je me retrouve toujours au même endroit au final. Je suis où là? Là, il y a des flammes, ça veut dire que c'est par ici. Ah oui, mais je me rappelle ici, là. J'avais trop envie d'explorer. Ah, il y a la musique d'un baron. Un baron de la drogue, encore. Quoi, ça en dessous, là? J'espère que c'est pas un zarbi. Hein. Non, ça a pas l'air. C'est une vieille touffe d'herbe, là. Qu'est-ce qu'il y a? Au secours! Qu'importe. Je vais encore me perdre. Ah. J'aimerais bien qu'il évolue en archiduc, mais je sais pas niveau combien. 34 j'imagine, 35, 36. Something like that. Et je suis où là? Ok, d'accord, très bien, je suis arrivé. Par contre ici il y a des trucs. Donc je suis obligé d'y aller. Et encore des Krixik. On a rien à foutre des Krixik. Y'a rien ici? Étrange. Y'a plus de brume par contre, ça fait plaisir. Parce que la brume c'est vraiment le pire temps. Je regarde depuis les falaises des Pokémon au cas où il y aurait pas un petit shiny comme au début de l'aventure et salut Madlax. Bah je sais pas. C'est quoi les pédophiles? C'est pas grand chose. C'est une... je veux dire, c'est une épée qui attaque pas fort. Yanis. Mon Pokémon Yanis, je vais le soigner. Comment il va mon épédophile préféré? Aka Madlax, aka Yanis. T'as besoin de quoi? Une petite potion peut-être? 60 PV pour Yanis. Tiens. Il va bien, très bien. En plus il a été soigné. T'avais oublié. Flèche. Il est trop stylé. Bon, on va taper mon titre de stream fait sens à partir de maintenant. Parce qu'on va aller taper Fragile Lady. Normalement. Bonjour. Encore lui. T'es prête, évidemment. Adamantin. J'ai rien compris en fait au jeu, je crois. Je lis pas assez intensément les... Vas un carton. Je lis pas les dialogues assez intensément. Vas un carton. Bien ou bien. Du coup là il me parle de clan diamant, de clan perle et je comprends rien. Elle a les cheveux rouges donc forcément elle est du clan perle. L'autre il a les cheveux bleus donc c'est le clan diamant mais j'ai pas compris leur rivalité. Bah, moi ça va bien un carton. Je suis là dans ma petite chaise là.
Ah, enfin je stream confortablement. Bon, j'ai toujours un setup de clodo avec, avec mon portable qui tient entre des boîtes de médicaments pour voir le chat, mais... Mais sinon ça va. Esquive ses attaques et Fragile Eddy finira par se fatiguer. Comptez sur moi. Du coup, vous avez joué à ce jeu-là, finalement ? Zacarton et Modlex, les hackers, là ? Les hackerman ? Surtout toi, Zacarton, je crois que tu allais le télécharger. Mais si, t'es allé plus loin. Et tu as continué ou pas, du coup ? Je me souviens. T'as vu, il est stylé, Zacarton. Il peut annoncer son entrée, lui. Oh, Fragile Eddy ! Doré, hein ? Oh, il est chelou. Mais attends, oui, elle est pas comme ça, normalement. Oh là là, elle est stylée! Elle danse! Elle me fait un doigt d'honneur? Aïe, là! Fragile Eddy! La SS! Elle est blonde, la jeunesse! Pas encore le Fragile Eddy! Ah merde, je te spoil Fragile Eddy! Appuyez sur Y pour faire une esquive! Bah on connaît ça. Pourquoi il me fait le tuto maintenant? Aïe! Pourquoi il me fait le tuto maintenant? Il est complètement con. Merci. Ah, cette fois, il n'y a pas de gros arbre sur lequel on pourra... Parce que le... Oula! Oula, oula! Le HC4 c'était pété, on pouvait... Est-ce que je peux descendre là même pas hein. Je suis Keblo. Hein. Oula. Oula, elle est très enjouée. Elle fait le tir de l'aigle. Qu'est-ce qu'elle fait? Arrête. Oh. Pas encore. Arrête-toi un petit peu. Elle est confuse. Ah mais non, mais quand elle est confuse, faut que j'envoie une Pokéball, c'est ça? Enfin, faut que j'envoie quelqu'un pour l'attaquer, un Pokémon. C'est ce qu'on m'avait dit sur HC4 et je l'avais pas fait du tout. J'avais continué à le bourrer. Vas-y, tire de l'aigle. J'arrive dans le crack me suffit. Merde, j'ai pas sauté au-dessus du truc. J'étais en train de venir à carton alors que c'est. Il faut faire un truc compliqué. Attention. Oula, esquive! Ça va, c'est assez permissif. Hein. Je suis pas le joueur le plus technique. Qu'est-ce qu'il a fait? Tir de l'aigle. Merde. Ah, oh, je me suis fait toucher. Elle est où ma vie à moi? Je suis mort? Non, je suis pas mort. Hein. Je vais quand même pas perdre contre dans Pokémon Légende. Tire de l'aigle. J'envoie un truc. Mais ça a pas marché. Salut ouais Azam. Ouais Link Breath of the Wild. Salut. Salut à tous, désolé, hein, je vous lis juste après. Le combat est intense. Je ne peux me permettre de quitter Fragile Eddy des yeux. Je fais n'importe quoi. Putain, mais je suis pas un vrai joueur. Oh, je vais perdre. Non, elle a plus beaucoup de vie. Elle a plus beaucoup de vie, je la bourre. Je la bourre le terrain. Crève. C'est bon, elle est morte? Si elle veut. Elle met le genou à terre. Boum! Dans ta gueule! Batterie faible, merde. Il est où mon câble? Il est là. Oh, Fragile Eddy, mais... C'est une forme spéciale de ce jeu, ça, non? Parce que j'ai... Alors, Fragile Eddy, c'est pas forcément un Pokémon que je connais très bien, mais... Ah, bien joué! Mais je suis sûr qu'elle est pas comme ça, normalement. Merci, Link, qui utilise les trucs... Abonnez-vous. Moi, ça va bien, merci, hein. Plaque herbe, youpi. Bon, je vais en profiter pour vous lire. J'ai cru que Zacarton y revenait, c'est ça?
Madlax a pas commencé, très bien. Ah oui, bah à toutes à carton, désolé. Elden Ring. Ah, il a acheté Elden Ring. Zakarton et Azam aussi. J'envoie quoi dans la gueule? J'envoie de la drogue. Drogue. Azam qui s'est pris Elden Ring aussi, quoi. Tout le monde s'est pris Elden Ring. Mais moi aussi, j'aimerais bien prendre Elden Ring. Tout le monde y joue. C'est fou, je comprends pas. Il m'a hypé, je pensais que... En plus, j'ai jamais joué à un Soul. Je voulais y jouer, mais moi, j'ai rien pour y jouer. J'ai pas de PlayStation. Bah, il a l'air trop bien, oui. Pardon. Tu voudrais le streamer? Pas spécialement, mais... Mais de toute façon, j'ai pas de quoi. J'aurais aimé y jouer, quoi. Ouais, fais tes excuses, Martien. PC Master Race. Mais ton PC qui coûte 2000 balles aussi, ça va bien 2 minutes. Et en plus, après, tu lances le jeu, et puis il y a des complications, parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut brancher la manette, et puis après, ça marche pas, ça fait plus, et après, il faut faire une mise à jour du système, et puis le nez, comme à la D. Il faut faire plein de trucs, c'est chiant. C'est la fougue de la jeunesse. Putain, c'est Gaï Sensei, là, Gaïna. C'est Gaïette. J'essaye de m'intéresser à l'histoire, là. Tant que gardienne. Et toi, Link Breath of the Wild, qui est déjà... Non, t'es déjà parti. Parce qu'il m'a dit GG, mais... Est-ce qu'il a déjà joué à ce jeu? Parce que j'ai l'impression que... Tout le monde a joué à ce jeu, mais que c'est déjà fini. Tout le monde a déjà fini le jeu. J'ai branché ma petite Xbox. Pitié quoi? Ben non, non, arrête de mentir. Et puis ton PC, il fallait le monter, et puis il y avait des trucs. Non, non, le PC, c'est compliqué, faut arrêter. Après, ça va laguer. Ton jeu, il lag. Donc t'es obligé d'aller dans les paramètres, baisser des trucs, porter de l'ombre, machin. Y a pas plus simple. Mais arrête de mentir! Y a plus simple, moi, je mets ma Switch dans mon dock, poum! Pim pala poum! Laissez-moi jouer à la Switch. N'empêche, il y a le Dark Souls, le remaster, il est sur Switch. Hein, je pourrais peut-être me le prendre un jour. Hein. Un jour de sombre lune. Ouais, mais une machine de vrai bonhomme, ça coûte 5000 balles. Hein. Tu peux le faire en stream, ouais, mais voilà, compliqué. Faut être Mister MV, quoi. Merci, au revoir. Mais en plus, Azam, je t'ai vu jouer à... Ce matin, à, je crois, à Paladin. Yu-Gi-Oh! Monster Hunter, tu joues à plein de trucs. Toute la journée, Azam, il change. Chaque heure, il joue à un nouveau jeu. 1300, je l'ai acheté il y a plus de 4 ans. Ouais, bah moi, ma Switch, elle m'a coûté 270. Et je l'ai depuis 5 ans maintenant. Et il fait et ma Switch a fait tourner tous les jeux Switch sans aucune mise à jour. Enfin, j'ai rien à faire, tu vois. Je mets la cartouche, ça marche. Je t'ai vu quand tu as live, Madlax. Ton jeu t'a dit, oh, il y a du frame drop de temps en temps. Il va falloir que je fasse je sais pas quoi. Voilà. Et regarde le PC que je t'ai passé, là. J'ai touché à un truc et il est mort, voilà. Chiant, les PC. Protéger le marais ensemble, ouais. Le marais de Shrek. On parle pas assez des chutes de FPS Breath of the Wild. En HDMI. Pas qu'en HDMI en fait.
Mais bon, tu peux pas y toucher, et du coup on se contente de ça, et ça c'est bien. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Ça dépend pas de ton PC là. Je vais aller raconter à Nara Nachara comment le clan Diamant et le groupe Galaxy ont permis de sauver Ursa King. Ouais, pour streamer ou pas streamer. J'en ai rien à foutre. Avec vos PC portables. Mais vas-y. PC portable, c'est quand même plus pratique. Je peux être dans mon lit avec, quoi. Non, mais j'aimerais bien jouer à vos jeux, là, mais je peux pas, moi. Ouais, il me faudrait juste une PS5. Ou une Xbox Series X. Mais bon, 500 balles pour jouer à Elden Ring. Je passe mon tour, tant pis. J'attendrai Breath of the Wild 2 et ça m'ira. Excuse-toi auprès de Fragile Lady, qu'est-ce qui est arrivé ? Bah, j'ai pas compris pourquoi elle est fautive, la meuf à droite là, mais apparemment c'est une connasse. Apparemment elle a fait de la merde, mais je comprends pas pourquoi. Je comprends pas ce qu'elle a fait, c'est une gardienne qui a pas réussi à garder ? C'est ça ? C'est juste ça ? Ça tient moins longtemps et c'est 10 000 fois moins performant pour le prix que ça coûte. Ouais, mais tu peux l'avoir dans ton lit. T'as ton téléphone sur le lit. Non, mais c'est pas pareil. Mais c'est tellement différent, Madlax. On n'a pas la même vie. Moi, je pourrais pas avoir un PC fixe sans PC portable. C'est pas possible. Déjà, j'ai même pas de place pour avoir un PC portable. Tu l'as vu. Tu m'as dit, oui, tu peux mettre la tour sous ton bureau. Oui, mais ma télé, je la mets où après ? Pas besoin de télé quand t'as un PC portable, un PC fixe, tu mets un écran. Arrête. Arrête ! Cherche la merde avec toi, mais c'est pour te garder sur le stream, Matax. Je crois qu'on est tout seul sur mon stream. Y'a rien de caché ici, y'a pas un petit zarbi, un petit, une petite flamme. Aïe, oh c'est vrai, j'avais oublié qu'on se tordait la cheville. Oh le jeu ! J'avais oublié qu'on était pas dans Shin Megami Tensei. J'y jouais juste avant. Vous n'avez pas cette place dans votre sacoche. Pourtant, ma sacoche est assez large pour un bout de bois. Croyez-moi sur parole. Ah, voilà, t'as tout, toi. Toi, et Monsieur Yanis qu'on voit là, il a tout. D'ailleurs, je te parle. Hein ? Yanis. Chez Tati Tatou. Je dois faire quoi maintenant ? Parce que j'ai lu en diagonale un peu. Je suis vraiment un connard de pas bien lire les dialogues. En fait, le jeu n'arrive pas à m'intéresser au niveau du scénario, là. Du coup, j'ai un peu du mal à suivre. Tout est bien, hein ? Pas le scénario. Mot de l'ex. Mais je sais pas, je trouve que le téléphone c'est moins pratique pour faire plein de trucs. Autant si tu veux juste une page YouTube ou un truc, tu prends ton téléphone, certes. Mais je sais pas, le PC t'as un grand écran. Et j'ai le casque qui est branché dessus. Qu'est-ce qu'il y a le scénario de Elden Ring ? Ça a l'air d'être de la merde aussi, hein. Oui, vous êtes un déchu dans une cité des morts. Il y a plein de monstres glauques. Faut que je retourne au début là. Comme quoi quoi ? Quoi comme quoi ? Quoi ? Comme quoi ? Comme qui ? Comme nous ? Comme vous ? Mais je cherche forcément la bagarre. Je t'ai dit, le jeu il me hype, mais je peux pas y jouer donc je suis obligé de cracher dessus. J'ai jamais joué à un soul. En vrai de vrai, j'ai peur du gameplay moi. De Elden Ring là.
Parce que c'est un monde ouvert et tout, certes, mais froid, le déplacement, le mec, c'est un camion, le truc. Tu es un camion. Tu fais quoi sur ton lit? Tu peux pas faire avec ton tel? Bah, je t'ai dit, moi j'ai un casque branché à mon PC. En plus, l'écran il est plus grand. En plus, tu peux naviguer genre rapidement et sans interrompre la lecture d'une vidéo YouTube entre des onglets. Ce que tu ne peux pas faire sur portable, sur téléphone. Tant de choses. Oula. C'est un vortante baron. Je me casse. En rapidité, avec un ours à King. Ouais, voilà, j'allais le dire en plus, j'allais parler de YouTube Premium. Mais voilà, il faut encore payer, putain. C'est des bâtards, franchement, de faire ça. C'est un truc qu'on demandait il y a longtemps, là. Et ils l'ont fait, ils nous ont écoutés, mais ils se sont dit non. Vous devrez payer pour avoir cette fonctionnalité. Un camion sur Elden Ring. Mais non, mais ton perso, c'est un camion, putain. T'as vu la vitesse de déplacement de ton perso? Les attaques? Tout est lent. Faut être un vrai joueur. Ouah, Zam qui joue à Paladin. Ça, c'est un vrai jeu. Va jouer à Paladin. Au lieu de jouer à Elden Ring. Franchement, Paladin. Mais non, pas sur Elden Ring. Mais si, c'est lent, j'ai tout vu. Hein. C'est tellement lent. Moi, je suis sûr que je veux pas payer pour regarder des vidéos gratos. J'en suis sûr. Bah après, t'as pas de... Oula. J'ai pris un... dans les oreilles, j'avais oublié que j'avais augmenté le son à ce point-là. Bien joué. Il mange sa manette. Parce qu'il est énervé. C'est vrai que c'est chiant, les gens de mauvaise foi. Hein. C'est vrai que je suis un connard, là. Pardon, Madlax. Mais je suis obligé. Je peux pas assumer. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je crois qu'il allait... il allait se suicider. Il allait se noyer. Il allait se noyer, là. Tu vas te noyer. Qu'est-ce que... Oh! Mais non, mais c'est un endroit où je peux pas aller, ça. Je crois. C'est de l'autre côté d'une rivière que je ne peux traverser. Mais ça fait longtemps qu'elle est là, du coup, cette faille. Quand même aller voir au cas où. J'ai juste mon PC à la poubelle. Non, mon PC! Je l'aime tellement, mon PC. Oh, mais attends. Parce que c'est le PC de Niso. J'y tiens énormément. Qu'est-ce que c'est? C'est donc ça. Qu'est-ce qu'il faut? Je suis dans Risk of Rain 2. Le dôme violet. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ici? Putain, je crois que c'était un hibou. J'ai rien compris au jeu. C'était un castorneau. Bon, je fais quoi, moi? Je suis dans un dôme violet, maintenant, je fais quoi? Je capture un Yanma. Yanma 1,5. Ouais, spécimen attrapé, très bien. 8 sur 12. Hein. Oh, le bullet drop. J'avais tout prévu. Mais Yanma est trop intelligent pour moi. Tiens, dans ta gueule. Toi, t'as pas de solution, Modelex? T'es obligé de demander à Seiko? Tu es donc si faible. Mais par contre, attends. Oulala, attends. Pourquoi batterie faible alors que je suis en train de charger normalement? Ça bug. Ah, ça y est. Oh non, je crois que mon cordon, ce truc, il commence à faire la gueule. Il charge pas ma manette comme il faudrait. Je me bats contre Phantomimus. Je tiens quand même à signaler que la série des Souls est le meilleur lore. De tout le lore des jeux vidéo. Je sais pas.
Selon toi, sûrement. Mais ce n'est pas une vérité générale, Yanis. Moi, j'adore le lore de Super Mario. Salut, Salaméchum. Non, la manette est pas cassée, ça y est, elle charge. C'est pas la manette qui est cassée, hein, c'est le cordon. Et c'est un cordon USB-C lambda, c'est même pas celui de la Switch. Donc tu vois. J'utilise celui de la Switch pour autre chose parce qu'il est plus long. Ah mais c'est un gravelin, je croyais que c'était un boule de nœud. Oui, il veut nous vendre des PC là. Monsieur le richissime. Mais qu'est-ce que je branle dans ce dôme violet du coup? Il faut faire quoi ici? On m'a dit il faut... C'est bien, il faut aller dans ces trucs là, mais y a rien. J'ai capturé des Yanma 1,5 et c'est tout. Je sors. Je rentre. Moi j'ai pas compris. Il y a juste la musique qui a changé là. La musique qui pète un câble. Cyberpunk a le meilleur lore. J'aimerais bien jouer à Cyberpunk en vrai. Le jeu il m'intéressait de ouf avant. Et comme il est sorti avec trop de bugs, de toute façon j'ai pas de quoi y jouer non plus. C'est toujours ça le problème. De toute façon j'ai pas le temps, j'ai tellement de jeux Nintendo à faire. Lui acheter Cyberpunk, bah je sais pas, moi j'aime bien cette ambiance. J'aimerais bien le faire. Il y a une flamme violette là-bas. Je peux pas y aller, je crois. Ah non, c'est là. Si je peux, non. Non, je peux pas. Hein. Il y a pas de pont. Il y a pas de pont entre nous et le ciel. Nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir. Oh oui, la musique. Mass Effect. J'ai pas un PC pour jouer à ce truc, mais pourquoi pas? Laissez-moi jouer à Cyberpunk si j'en ai envie. Tu es formidable, je sais. Mais je suis même pas arrivé au bon endroit, pourquoi il me fait des trucs de scénario là? Le pinball Microsoft, c'est le démineur le meilleur lore. C'est de la merde. Y'a rien à dire lui. Toi tu vas me faire... Tu vas me laisser me reposer, merci, au revoir. Ouais ouais. Ça dénonce des trucs le démineur. Après je sais pas, moi je connais pas le lore de Elden Ring, mais tu sais cette ambiance médiévale et tout, moi c'est pas mon délire. Alors ça a l'air cool, je t'ai dit hein, j'ai trop envie d'y jouer. Mais de base, a priori, les ambiances chevaliers et tout, c'est pas trop mon truc. Oh j'ai un zarbi. 35 000, je vais pouvoir me faire agrandir la sacoche. Ouh. Je peux pas encore passer niveau 4, très bien. Oui, j'ai apaisé Fragile Lady. Je te conseille de retourner au village. Bon, bah faisons ça. Ah, il me laisse même pas le choix, il me conseille, mais on le fait. Hein. J'ai pas choisi. Bah je sais pas, c'est quoi le lore de Dark Souls? C'est des théories ou c'est un vrai lore? C'est quoi? Le lore, l'univers, le lore. On va encore bouffer des patates avec...
avec Bitler là. Popote. T'as pas de scénario en vrai. Ouais, c'est ça, en fait, t'arrives dans un monde et tu fais des trucs. Mais du coup, il faut comprendre. Faut comprendre l'univers. Pourquoi tu déglingues des monstres? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des âmes? Hakium! Pardon. Allons voir le coup de mille là. Hop, petite roulade. Je débarque comme Shelvin en cours d'allemand en 6ème. Roulade Gear of Wars. True story, hein, true story. Bah oui, Elden Ring, il donne envie à tout le monde, j'ai l'impression. Hein. Moi, il m'a donné envie de ouf, alors que de base, les Dark Souls, tu vois, j'étais là, je respectais le jeu parce que bon, ça a l'air difficile. J'ai jamais joué, hein, mais je crois que c'était joli. Il y avait quelque chose, tu vois. Mais j'ai un peu peur d'y jouer parce que moi, je suis une merde. Je vais me faire fumer. Et là, bah, Elden Ring, tu vois que c'est un Dark Souls en espèce d'open world et que, a priori, l'open world, enfin, de ce que j'en ai entendu, est intéressant. C'est pas un open world lambda où tu te fais chier. Donc ça vaut tout l'or du monde. D'accord. Histoire écrite sur les items que tu ramasses, un peu à la Metroid Prime. Il faut tout scanner pour comprendre ce qui se passe. Si tu scannes pas, tu comprends rien à l'histoire. Tu butes la reine parasite, après tu fais des trucs. Ah ouais, tu peux avoir des amis et te faire trahir et tout, c'est cool ça. Eh, c'est cool, je vais jouer à Elden Ring, tenez-moi. Il faut, je vais mettre une... Comment ça s'appelle déjà? Genre une wishlist. Je vais mettre une wishlist dans la description. Wishlist Amazon, je vais mettre la PS5. Il va falloir que vous me payiez une PS5, les gars. Comme ça, je pourrais jouer. Oui, j'ai réussi à apaiser Fragile Lady. Bon travail. Pour vivre à Isui, nous devons parfois nous battre contre les Pokémon. Waouh! Et toi, t'es tombé de cette faille. Oui, bon, voilà, on a compris. On va enfin aller dans les failles. Y'a pas plus difficile que Dark Souls 1. Ah ouais? Didi, il est obligé de comparer à Cache Nintendo. Bah, c'est le jeu que je connais le plus. Salut Hiroshi, comment ça va? J'ai plus de téléphone, donc je te regarde sur la Switch. Et aussi, j'ai eu beaucoup de shiny. Putain, il me regarde sur Twitch de la Switch, Hiroshi. Incroyable. Personne fait ça. Bah, bien vu, hein, Hiroshi. Et plein de shiny. Bravo. Et moi, je continue à peine le jeu. Hein. Depuis la dernière fois, j'ai pas avancé. Hein. Il flex sa culture Nintendo. C'est pas que je flex, c'est que j'ai que ça comme, comme titre de comparaison. Le 2 et la DDLC, bah vous voyez aussi c'est horrible, Dark Souls la DDLC, Dark Souls 3 est le plus travaillé, ah bon, le moins équilibré avec les égouts et tout. Putain, vous me donnez pas envie d'y jouer au 1 alors que je me tâtais à prendre le remaster sur Switch, évidemment. Ah ouais, vous parlez... Putain, les mecs, ils sont en train de parler. Oui, Dark Souls, on se branle sur Dark Souls. On est des giga fans. Laissez-moi jouer à Pokémon. Laissez-moi manger des patates. Et voilà pour vous, les bons beignets de patates bien chauds. Ça, c'est du vrai. Tu vois, voyez là, on est heureux, putain. Là, on joue à un jeu qui a une petite ambiance et tout. On mange des patates. Pourquoi t'es de mauvaise foi? Mais j'ai pas de mauvaise foi, j'ai rien dit. J'ai juste pas joué au jeu, je vous ai dit que ça m'intriguait.
Enfin, que ça m'intéressait, que j'aimerais bien y jouer. Regardez-moi l'ombre des pixels, là. Ça vous intéresse pas, ça? L'ombre des pixels à droite? Regardez cette ombre. Toute de pixel art faite. Sachet pétarade. Merci. Don't worry. Très bien, on a mangé nos patates. Non mais c'est bien. Je vais vous bannir hein, si vous crachez sur mes jeux. Allez parler de votre Dark Souls dans le salon Giga PC là. Elle va travailler au centre de coiffure. D'accord. Donc elle reste une gardienne, mais elle sera à mi-temps coiffeuse. Ça fait tiep quand même. Ouais, tu fais pitié, meuf. Madlax, il essaye de me trigger avec des vieilles phrases. Mais c'est que ça marche pas. Ça marche pas du tout. Mais j'ai de combat pour enfants quand il y a même pas de sang. C'est vrai, il y a pas de sang, non? Mais dans Street Fighter non plus, il y a pas de sang. En fait, tu joues que à Mortal Kombat, quoi. DLC a dit, ou attends, c'est la méchante qui fait des pavés. En fait, le 1, je trouve, c'est mon préféré. T'es moins guidé et après avoir fait le 1 tu te sens bien pour les autres, surtout quand tu peux boire et bouger en même temps. D'accord. J'adore voir des promesses et des pro Nintendo. Mais en plus vous êtes horrible parce que moi, c'est juste mon choix de jeu parce que c'est les jeux que je préfère avec l'univers que j'aime et tout. Mais genre, en vérité, je crache pas sur les autres trucs. Hein. Là, c'est pour vous taquiner. Hein. Mais j'aimerais trop jouer à Elden Ring. Mais c'est juste que moi, je fais des choix et je sais que je m'y retrouve plus souvent chez Nintendo. Donc, je fais le choix de faire confiance à Nintendo. Mais je serais pas contre jouer de temps en temps à d'autres jeux, mais non. Ça commence par pro, c'est pas ouf. On dit N-sex sinon. N-sex. C'est un mytho. Peu importe d'où elle vient. Moi, quand je suis arrivé, on a voulu me bannir. Personne ne me faisait confiance. Oh non, on va pas retourner à la plage premier pas. Ah d'accord. Madlax, ça va, ça va m'échapper, Madlax? Dans mon chat, mon propre modo qui dit des banwords. Oh non, des immigrés. Qu'est-ce qu'ils foutent? Le groupe Galaxy a fait ses premiers pas dans la région. Cette plage, d'où son nom. Nouvelle vie va commencer. Hashi. Ah ouais, vas-y, c'est pas un banword. Mais pourquoi t'en avais plein le cul avec Madlax, c'est un nazi asiatique. C'est l'apologie qui est banned. Mais d'accord. Je croyais que le simple fait de le dire, parce qu'ils peuvent pas savoir si t'en fais l'apologie ou pas. Juste ils voient le mot, ils le bannent quoi, non? À titre éducatif n'est pas banni. Mais tu t'es grave renseigné depuis que
Depuis que t'as dit tous les banwords dans tes lives, depuis que tu t'es lâché. Depuis ce temps-là. Ouais, j'ai grave contribué à ce truc. On va vivre paisiblement à Issui. Tout faire signaler comme je viens de le faire. Donc il faut des gens qui se sentent agressés dans le chat pour se faire banned. Pour se faire danette. J'aime pas spécialement les Pokémon. Oui, allez. J'ai un mec bien. C'est bien, lui, il a toujours peur des Pokémon. Nachara. Nada. Nachara. Ah, ils ont pas de bot pour les Banward. S'ils peuvent checker... En plus, il faut checker la VOD. En fait, tu peux faire un stream vraiment horrible et juste ne pas activer les VOD et puis ça passe. En fait, c'est cheaté, Twitch. Tu peux faire des trucs de fou. Ah oui, d'accord. La meuf qui a montré son vache a pris 3 jours. Putain, mais pourquoi je suis pas au courant du fait? Moi, je connais pas Twitch en vérité. J'arrive, je fais mes trucs et je connais pas le lore. Je savais pas pour gérer, je savais pas pour la meuf. Arcels, ouais, voilà. Il faut ban Mad Dax. Il nous agresse. Tu connais pas? Ouais, non, je connais pas là. C'est quoi votre truc? Comme Dark Souls, faut fouiller. Le lore Twitch, il est incroyable. Ah, c'est pas la même meuf qui a montré son vagin qui... Attends, c'est la meuf qui a montré son vagin qui faisait genre que c'était... qu'elle savait pas que le live tournait. Et elle faisait la promotion de son OnlyFans? Ou c'est une autre personne encore? Est-ce que le lore est encore plus étendu que ça? Oh, j'ai pas le droit de prendre mon Serfous ici. Connu qu'il suffit de supprimer des VOD. Et la meuf qui montrait beaucoup. D'accord, ok, c'est la même. Mais donc oui, tu peux vraiment faire tu désactives les VOD et tu fais des lives incroyables. Tu fais les pires lives de l'humanité. Je vois. Petite quête secondaire ici. Mais on a une endurance, c'est horrible. Tu pourrais pas courir à l'infini? Quelle queue formidable, ça qu'elle a dit? Ah oui. Oula. Il y a un mec chelou là, dans le village. Je te la montre quand tu veux. Non mais ils ont fait exprès, hein, c'est obligé. Ils ont un bon algorithme de détection de bits en live. Ah merde. Putain.
Putain, mais c'est fou parce que moi j'ai pas vu Oscar se faire ban quoi à ce moment-là. Putain. Ah, il y a des trucs que j'ai ratés. Une queue gracieuse. Quel Pokémon a une queue enroulée? Ramolos? Mais non, mais non, merde. J'avoue, c'est écœurant ça, la méchum. On n'a même pas le droit d'être éducatif sur Twitch. Nos gosses seront des attardés. Parce que c'est censuré. Putain, merci. Ah, au revoir. Spank, Shaglam. Shaglam. Spank, je suis ok. Spank ou Groray, là. Son évolution. Putain, il y a encore des quêtes, mais quoi? Il faut encore aller en haut? T'as encore la Ondine du passé. Pour moi, c'est Ondine la meuf là. L'ancêtre de Ondine, ça. Il y a ni roi ni reine, même pas la reine des putes. Vraiment pas Ondine. Ouais, non, finalement, non, mais je sais pas, j'avais envie. Il y a un... Je pense que il y a un air. Ça doit être dans les sourcils, quelque chose comme ça. Sur l'île Crash Feu. Oh, on va enfin aller dans le volcan. Enfin, dans le volcan. Dans la zone du feu, quoi. Troisième zone. Encore le même souci dans une zone, dans une autre zone, toujours pareil. Je vais me rendre sur place. Et j'imagine qu'il faut être niveau 4, mais sauf que je suis niveau 3, c'est ça? Il va y avoir une connerie comme ça. Je t'attendrai sur la côte Lazuli, mais c'est où ça? La côte Lazuli, mais c'est quoi la côte Lazuli? Ne t'en fais pas, Natchala. Elle a le meilleur nom de... du jeu, en tout cas. Oh non, pas elle. Je te déteste, toi. Prochaine mission se déroule sur la côte Lazuli. Inch'Allah, Natch'Allah. Inch'Allah. Rends-toi sur l'île Crash-Feu pour éliminer tes recherches. C'est un ordre. Putain, la quelle pute, je le déteste. Je l'aime pas, elle. J'aime pas sa tête. Elle me parle trop mal. Hey, tu me parles trop mal. Il y a encore des quêtes secondaires. Je fais... Oh non, pas le mec de la photo. Ça sert à rien tes quêtes. Tout ça pour avoir un nouveau fond de... fond pour, le... pour les photos. Quelque chose comme ça, je le sais. Hein. Je te connais. Je te connais par cœur. Oh, Skelenox. Merde, j'ai fait une connerie. C'est bon. Je suis là. Un bateau, la lune, Skelenox. Faut que je ramène un Skelenox à lui. Très bien. Heureux, Zach Carton. Heureux, Zach.
Attention Zach Carton, parce que je crois qu'on va aller dans la troisième zone du jeu. Si tu veux pas te faire spoil. Je vous le dis à tous, hein, si vous voulez pas vous faire spoil, nous arrivons dans la troisième zone du jeu, je crois. Balek du spoil. Ah ouais. Oh, y a Eliane, putain, mais le pire mec. Lui, c'était le gardien de Hachécateur. Hachécateur, il suffisait de le projeter dans un arbre. Je sais même plus où j'en suis dans le jeu. Ah, bravo. T'as testé la démo de Kirby, sinon ? Je dois aller sur l'île Crash-Feu, mais... Bon, en même temps, de toute façon... C'est Garana, la gardienne de la pauvre, c'est pas facile pour elle. Y'a plus personne à garder. C'est une gardienne qui garde rien. Que je suis zone 4 ou 5 ? Mais si t'as pas... Mais t'as battu Fragile Lady ou pas ? Je viens de lancer Elden Ring, évidemment. Évidemment. On va pas reparler d'Elden Ring, à carton. On en a assez parlé avec Salam et Shadow Madlax. Je suis énervé. On va pas en reparler. Va jouer à ton jeu, là. Ton jeu divin. Tout en téléchargeant Kirby, et ça, c'est beau. C'est pour ça que j'aime bien Zakarton. Au moins, tu télécharges la démo de Kirby. Moi, je la télécharge pas parce que j'aime pas trop faire les démos des jeux. Je vais l'acheter de toute façon. Donc, je préférerais tout faire directement. Fragicarisme en mousse. Très bien, très bien. Je vois. Putain, mais si t'es déjà à la 4 ou 5ème zone, c'est que vraiment tu vas trop vite dans le jeu, mec. T'es trop fort. Hachécateur, on est la preuve. Ah bon. Ouah, Zakarton sur Mario Golf. On n'y a toujours pas joué ensemble, c'est la vérité. Faudra trouver un temps, faudra trouver un moment. C'est que des Pokémon de merde. C'est toujours toi qui es trop... Mais je suis pas trop lent. Mais après, j'y joue pas beaucoup au jeu. Hein. C'est que la quatrième session ce soir. C'est fou. En plus d'un mois. Je bourre tous les Pokémon que je croise. Très bien. C'est vrai qu'il y a certains Pokémon, c'est chiant. Quoi Zakarton ? Session de combien d'heures à chaque fois ? Je sais pas. La session... la première, elle va durer plus de 5 heures. Ensuite, j'ai fait 2 heures, 2 heures. Un truc comme ça, ou 2 ou 3 heures à chaque fois. Je dois être à 10 ou... À 10 heures de jeu, en fait. Là. Mais oui, c'est un Kirby 3D, Zakarton. Enfin, c'est un Kirby 3D, pas en mode Mario Odyssey, hein, plutôt en mode Mario 3D World. Les niveaux, j'ai l'impression. Mais bon, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai vu le premier trailer pendant Nintendo Direct. Mais maintenant, je regarde plus rien. C'est fini. J'ai vu le trailer, je suis content. Maintenant, je me spoil plus. Donc, pas de démo, pas de trailer, c'est fini. Pierre effort. Une pierre mystérieuse qui permet d'augmenter le niveau d'effort d'un Pokémon. Niveau d'effort. Bon. Ah, Zakarton qui a lancé la démo de Kirby. Ça, c'est un vrai jeu. Salam et Chum et Maudlex, là, vous devriez précommander Kirby ou aller faire la démo, là, déjà. Ça, c'est un vrai jeu avec un vrai lore. Et avec un vrai univers. Une vraie petite ambiance mignonne. Alors que nous allons... Alors, nous avons fait les marais et les plaines. Désormais, nous allons là-bas, sur l'île... La côte Lazuli. Pourquoi il parlait d'île Crash-Feu ? C'est le volcan, l'île Crash-Feu ? C'est juste un petit endroit de... Bon, allons-y. Bivouac des plages. Je vais le pré-hacker. Horrible! T'es un monstre pour hacker Kirby. On ne hack pas Kirby, enfin. Ouais, à mon avis, ça va être très différent. Kirby, tu vas rouler sur le jeu. Contrairement à Elden Ring. Le crack, c'est mal, hein. Surtout quand c'est du Kirby. Tellement mignon. Il y avait une serviette hygiénique dans le collier. Ils sont rigolos!
Non, non, mais j'ai pas de questions. Pourquoi je suis obligé d'avoir une question? Moi, dans la vraie, j'ai pas de questions. Jamais été fan des Kirby, moi non plus, Madlax. En vrai. Mais j'en ai fait quelques-uns, dont le dernier en date. Et je ferai le Kirby 3D en stream sûrement. Et j'ai hâte. Il me hype. Oh, petite flûte. Celui où vous faisiez du golf avec Kirby? Je connais pas. Mais dans les Kirby, il y a souvent plein de mini-jeux. Oh la zik. Xenoblade 3 avant l'heure. Ça fait des mélodies flûtées. Elle adore la flûte, mais elle a pas entendu lui Oscar en jouer. Hein. Bats-toi contre moi. Ok. Pas de mal, un petit combat de temps en temps. T'es très chaud à Mario Golf, merde. Non mais t'es trop fort. Mais quoi? Mais elle m'a niqué mon rêve. Mais pourquoi? Attends. Elle me fait du 2v1, c'est quoi ces conneries? Et elle m'a niqué mon Yanis direct là. Je vais perdre un combat dans ce jeu de merde. Crac. Oh, ça fait même pas la moitié. C'était un versus entre potes. Ah mais c'était un jeu seulement de golf Kirby. Parce qu'il y a des... Comme je te dis, il y a plein de jeux Kirby, il y a des mini-jeux dedans et... Il y a des trucs cool. Il y a le Samurai Kirby qui est trop bien. C'est un jeu juste, il faut le meilleur temps de réaction. C'est juste ça le jeu, mais trop bien. En même temps, plan de vol, oui je sais bien, mais il m'a attaqué rapidement quoi. J'ai sorti mon Pokémon, j'ai même pas eu le temps de faire une action, elle m'a attaqué. D'habitude on choisit avant de faire des trucs. À l'attaque à 2v1 quoi. Moi j'ai pas le droit d'envoyer un autre Pokémon. Attends mais il y a Zacarton et Madlax qui se retrouvent sur un jeu Kirby là. Incroyable. Il va falloir que vous me retrouviez ce jeu les gars. Kirby's Dream Course sur Super NES. Bah il est sur le Nintendo, sur ça là. Kirby Dream Course je crois. Je crois qu'il est là. Hein. D'accord. Bah j'y ai pas joué, j'ai joué au... Parce que dedans il y a Kirby Dream Course et il y en a un autre. Là. Celui avec des mini-jeux justement. Et dedans il y a Kirby Samurai. J'ai pas fait l'autre du coup, bien vu. Je suis un étranger, je te rappelle. Je suis moins un étranger. C'est vrai que je suis un étranger. Du coup, on peut me taper à 2v1, tout va bien. Ça m'a fait du bien de te casser la gueule. Mais je dois reconnaître que je me sens toute petite au milieu de ce monde immense. Très bien. Il est sur Home Station. Minir, Madlax, il est sur le truc de la Switch, c'est mieux. C'est plus facile. Pas besoin de Parsec, pas besoin de plein de trucs. Vous pouvez y jouer sur Switch. Sauf que toi t'as craqué ta Switch, espèce de naze. Trop beau Kirby, c'est vrai Zacarton? Parfait ça. Donne envie d'y jouer.
Sur Switch, c'est contrôle plus cool. Merci, c'est la machine qui me soutient un peu. Oui, je sais que t'as plus Nintendo Online sur Switch. Bah, tu vas te racheter une Switch et tu vas pas la craquer cette fois. Tu donnes ton argent à Nintendo, s'il te plaît. Ouais, mais pour des jeux, pour les jeux NES et SNES, ça marche bien. Y a pas d'embrouille. Si vous avez une bonne connexion, ça passe. Un suscam. C'est pas vrai, il est jamais d'accord avec moi, ça, mes chums. C'est tellement rare. Tu sais que j'avais pensé de prendre une deuxième Switch non craquée. C'est une belle pensée, ça, Madlax. Tu... Il y a un apôtre qui est venu te parler. C'est un premier pas vers l'élévation, ça. Secondes de gameplay pour Zacarton, qu'est-ce qu'il a? Il trouve que c'est de la merde. C'est un futur succès. Ouais, let's go. Le col est fait, bien joué Zacarton. Mais même tu vois l'univers, tu vois Kirby, t'as trop envie d'y jouer. Il donne trop envie ce Kirby. Pour une fois. Même toi Modlex, tu devrais regarder le trailer si tu l'as pas vu du Kirby 3D. Il est tout mignon, il donne trop envie d'y jouer. Il a l'air vraiment sympa. Aussi sympa que toi, Zacarton ? Je suis pas sûr. Zacarton ! Mais non, merde, j'arrête pas de quitter mon truc. J'essaye de voir le chat et je fais de la merde. Là, voilà. Parce qu'il y a Elden Ring qui attend. Non, parce qu'il va jouer à Mario Golf. Putain, il va jouer Elden Ring. Et merde! Ouah, c'est loin, 700 mètres. Moi, je marche pas 700 mètres. C'est pas grave, de toute façon. Il reste une heure de live. Je pense qu'en une heure de live, j'arriverai pas là-bas. Je vais à peine faire la plage, là. Je vais tenter de tout. Il faut que je range mes objets dans le coffre. C'est vrai qu'on peut faire ça. Comme ça, je peux pouvoir ramasser de nouveaux objets. Qu'est-ce que je range? Tous les trucs que j'ai pas besoin. C'est quoi ça? Tout déplacer. Tout doubéo. Ouais, je déplace tout. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est quoi ça? Comme combustible. Il est apprécié d'un certain Pokémon. D'accord, je vais le garder comme ça au cas où. Les galets, le fer, tout ça on garde. Ça c'est pour une quête. Je vais le garder dans la boîte puis... Si un jour je suis motivé, je le ferai. Et voilà, ça ira comme ça. Du perso. Non, non, t'es fou. Zacarton, écoute pas, ça la mèche. J'ai déjà vu des let's play, des bouts de jeu, je ne sais quel Dark Souls, avec le mendiant là, ou je sais pas quoi. Le mec à poil. Faut pas se faire toucher. Bien casse-couille. Oh, je vais pouvoir capturer le Shagam. Hypnose, j'en ai rien à foutre. Pokéball. Merde, je peux tirer d'ici, ça veut dire? Ah oui, voulez-vous lancer une Pokéball? Ok. Le Slipman. Il sera jamais vraiment bloqué.
Bah, je sais pas. T'as joué, enfin... Je sais pas. Elden Ring, est-ce que c'est un genre de monde ouvert où vraiment t'es pas bloqué, du coup? Ou est-ce que c'est un monde ouvert où il y a des endroits où clairement c'est trop haut level, donc il faut forcément aller à un endroit avant d'aller à un autre? Mais juste, on te le dit pas, quoi. Auquel cas... Auquel cas, ça pourrait être un couloir, pareil. Slipman. Juste pour son nom, il faut prendre Slipman. Oh, il y a un Kemors. Oh, mais non, mais c'est un baron. Mais en fait, dès qu'il y a un bête de Pokémon, c'est un baron. Ça me fait chier. Eh, c'est joli, pareil, ici, non? Elden Ring peut aller se rhabiller. Slipman peut aller se rhabiller. Ça me fait chier les Pokémon agressifs là. Moi j'aimerais bien les capturer par derrière tranquillement. Par contre, c'est les mêmes Pokémon que la première zone là. Il y a des Mustéboués. Oh putain, il y a un Avalanche. Eh boui boui. Petit feuillage. Feuillage où? Piège de. Hein? C'était piège de roc hein, ce qu'il a fait. Pourquoi piège de roc ça m'attaque? Piège de roc c'est censé attaquer si je change de Pokémon. Hein. Putain, ils ont changé les capacités des jeux quoi. Du jeu. Demandons à Modlex. Modlex, on te demande. Il va pas oser répondre. Hein. Parce qu'il est dans l'embarras, effectivement. J'ai vu juste. Et les débris me font mal en plus, d'accord. Pardon? Je te redirai pas, Madlax. Je sais que tu l'as pas. T'as rien dit parce que t'es dans l'embarras. Slipman tous les jours. Chiant. Non, mais attends, on peut pas jouer à ce jeu-là au clavier souris, on est d'accord. Qui joue à Elden Ring au clavier souris? Les vrais PCistes. Y'a un cap humain. Mais non, mais arrêtez de me voir, vous. Y'a des cap humains, je veux un cap humain. Je suis caché, là. Mais je suis caché. Bon, tu... Merde. Oh, l'arbre qui me protège. Qui est-ce que je peux envoyer contre eux, là? Ah. Oh. Allez vous battre. Je les one-shot, les papillotes, c'est parfait. Par contre, choc mental, ça fait presque la moitié de la vie. Abusé. Est-ce que je le... Non, je le tape. Évidemment, je le tape. Slipman, vas-y, Slipman, mec. Slipman, tous les jours. Toi, tu m'as pas vu. Mais non! Cap humain! Oh, la vue FPS! Mais il me voit là ou pas? Mec, il se prend des Pokéballs dans la tranche, je comprends pas d'où ça vient. Mais. Et merde. Ah, voilà mon premier cap humain. Je suis content. J'ai un cap humain. Il y en a plein ici, en fait.
Voilà, easy, des caps humains. Bombardement. Comme le professeur de PS, là, de Bart. Bombardement! Bombardement! J'aimerais bien aller dans l'eau. C'est vrai qu'on peut pas nager dans ce putain de jeu. Bah, tu vas pas m'attaquer, toi, ça va bien. Il y a un truc à faire ici. Une quête secondaire! Zacarton, j'ai pas. Il a essayé d'attaquer le premier PNJ du jeu. Et il s'est fait bolos, c'est ça? Excusez-moi. Qui ça? Ah, je vais bientôt avoir l'apéro, les gars. Si vous m'entendez plus pendant un petit moment, c'est normal. Il va être l'heure, là. Vous le savez très bien. Ah non, mais triste l'ambiance, c'était bien quand il faisait beau. La plage, quand il fait beau, c'est bien. Pourquoi il fait tout gris, là? C'est un malade. Mais pourquoi c'est un malade? C'est comme tuer le marchand dans Resident Evil 4. Après, tu peux plus acheter de trucs. T'es obligé de faire tout au pistolet. Vous voyez, j'ai sorti une référence pas Nintendo. Ah ah! Et regardez ce qui se passe, il va y avoir une ambiance. On peut faire évoluer Shingiling en Big Shingiling. Ambiance! J'ai tapé en me trompant de touche. Il était sur GameCube, merde. Il m'a eu, Madlax. Mais sais-tu? Sais-tu? Oh, trop stylé, sa petite crête, elle est bleue, il est rouge, comme il est shiny. Sais-tu, Madlax, que Resident Evil 4 est aussi sorti un an plus tard sur PS2? Oui, mais il est sorti plus tard, Zacarton, sur PS2. C'est un jeu GameCube à la base. On est bien d'accord là-dessus. Je suis... Ok? Je serai formel... Je suis... C'est... Oh! C'est un jeu GameCube. Ma ref, c'était le marchand dans Resident Evil 4, ça la méchum. GameCube, puis PS2, puis le remake sur Wii. Enfin, remake. Portage. C'est des bolos PS sur PS2. Comment ça, c'est des bolos? C'est les bolos qui jouent sur PS2? C'est vrai. En vrai, moi, j'ai beaucoup joué à la PS2. Mais bon, si t'as un jeu qui est aussi sur GameCube, autant le prendre sur GameCube, enfin. Rien que pour la manette. T'es trop jeune pour ça, mais tu l'as fait sur Wii. Waouh. C'est bien, Sam Shum a une belle culture, c'est bien. Il joue à des vieux jeux alors qu'il est jeune. Moi, j'étais tout petit hein, quand j'ai fait quand il est sorti Resident Evil 4. Enfin, tout petit, j'étais en primaire, quoi. Et je l'ai fait à cette époque. En entier. Peggy 18, là. Trop bien. Oh, il y a un Togepi. Oh, le Togepi, il m'attaque. Les vrais jouets, R4 avec la manette violette. King Kong sur GameCube. Jamais joué. King Kong. Mais c'est fou. Mais il a aucun sens ce jeu. Les combats ils veulent rien dire. Le mec c'est un Togepi, il me fume mon Étoraptor. Il prend la fuite, enculé. Faut les avoir dans le dos, les Togepi. Simpson Hit and Run. J'aurais bien aimé faire ce jeu à l'époque. J'ai fait un jeu Simpson sur Wii, je crois. Je crois que c'était sur Wii. Simpson le jeu, ou alors c'était sur PS2.
ou sur Xbox. C'est le seul jeu Simpson que j'ai fait. Simpson le jeu. Les petits radars ours. L'ourson radar. Je me suis fait frapper là. Il est sorti partout, ouais. Sur DS. Il y avait des portages DS et tout. C'est quoi ça? Oui. Je vais me chercher une go. Détective Pikachu. Eh mais c'est les minables. Bien joué Zacarton. Désolé un re. Zacarton il a compris tout de suite. Alors, je vais me chercher une gaufre, évidemment. Impossible de deviner ce que je mange par contre. Puisque c'est des trucs faits maison. Ouais, t'as bien meublé. Bravo, Zacarton. Guidi Daronet à 26 ans. Ça m'échappe, ça fait deux fois que tu me fais cette blague. Dans, no- dans notre vie. Depuis que je stream. Tu m'avais déjà fait ça. Hein. Et je me fais pas Daronet, je me fais apporter un apéro. Il y a pire quand même. Je jouais à Simpson Hit and Run et GTA sur PS2. Moi sur PS2 j'ai fait plein de jeux. Mais sur GameCube aussi. Je suis tellement un enfant geek. C'est un méchant, t'as fait Resident Evil 4 sur Wii à 8 ans. T'as battu mon record, je crois. Moi je devais avoir 10 ans. Je pense. Ah ouais, à 8 ans. J'ai encore ma GameCube et mes jeux. Encore heureux, Zacarton. Tu jettes pas des trucs, hein. Si vous connaissez des gens qui jettent des vieux jeux ou quoi, vous les engueulez, hein. Vous me dites, vous leur dites de m'envoyer les jeux. Moi, je dis ça à tout le monde maintenant. Il y a des gens qui vendent leurs jeux à 1€ ou qui les vendent à Micromania ou qui les jettent. Donnez-les-moi. Ouais, le jeu est entièrement différent. C'était souvent comme ça. Il y avait plein de jeux DS et tout qui changeaient beaucoup. Putain, mais vous parlez beaucoup, j'ai pas le temps de tout lire. Tu le notes à chaque fois sur un mur? De quoi? Voilà, je sais plus du coup. Aperoed. Va voir sur le Discon. Le temps que tu manges dans les artistes. J'y vais. Y'a quoi par là-bas? C'est Zacarton, c'est toi, tu t'as fait un autoportrait Zacarton. T'as fait un chauve. Ouais, c'est bon, merci. C'est pas grave. Oui, c'est vrai, il y a un... Pourquoi FBI? J'ai rien dit. J'ai rien dit de bizarre. J'ai vendu des jeux avant. What? Tu disparais. Au revoir, ça va méchant. Par contre, c'est quoi? J'ai vendu des jeux. Mais moi aussi, quand j'étais petit, on a vendu des jeux dans une brocante. Les jeux PS1 et la PS1 et tout. J'étais déprimé déjà à l'époque. J'étais déprimé de devoir faire ça. Le slip du perso qui roule du cul. Avec votre jeu bizarre là. Tu fais un perso féminin et... C'est vraiment pour des geeks hein. Vous êtes vraiment des geeks les joueurs de Elden Ring.
vous l'avez même pas. Oula, il y a un capidex, je sens que c'est un baron. Voilà, c'est un baron. C'est toujours comme ça, c'est bon, j'ai compris le jeu. Tu peux pas avoir un vrai Pokémon si c'est pas un baron. Il y a quoi par ici? Je sens qu'il va rien avoir, c'est pas Breath of the Wild, il y a pas de Korogu. Mais Shadowton Wars, ouais, c'est le GTA exclusif à Nintendo, quoi. Ah, il y avait... Ah non, attends, Shadowton Wars sur PS? Mais d'où? Sur PSP, tu veux dire? Du coup, il est plus exclusif, en fait? Ou alors, c'est plutôt... Non, je pense que c'est le seul GTA qui est sur console Nintendo. C'est plutôt ça. Hein. C'est plutôt ça, la vérité. Pas exclusif du tout. Oh, trop mignon, le Obali. Obligé, je le capture. Par contre, il faut que je sache viser. Tiens. Il s'est échappé. Oh non, je l'ai eu. Parfait. J'étais un enfant enculé, j'ai toujours pas digéré. Quand ce fils de pute de vendeur me sortait des prix dérisoires pour tous mes jeux PS1. Mais oui, mais c'est pareil, on a vendu des jeux PS2 à Micromania. J'en ai vendu je sais pas combien de jeux, on a eu 10€ à la fin. C'était un truc de fou. On avait vendu, je me rappelle, on avait vendu Max Payne dans le lot. Max Payne, un des premiers jeux qui utilisait le bullet time. Tu faisais des plongeons là. Mais sérieux lui? Mais gars, il a disparu! Ah merde, mon Yanis il est KO. Il est Kaorin. Celui-là, je l'ai même pas dans ma base de données. Ton Battle Arena Toshiden. Ah, mais c'est Micromania. Hein. À part FIFA et Call of Duty, ils vendent pas grand-chose. Je l'ai pas dans ma base de données. J'ai postulé à Micromania. Mais tu... Mais oui, mais... T'as été pris, non? T'as jamais été pris? Parce que moi aussi, il faut que je postule à Micromania. Hein. Faut pas qu'il tombe sur mon stream. Je m'en tape, je veux des vendeurs. Et merde. C'est donc ça. C'est donc ça la vie, Mani. Picoler, baiser, chanter. Manger. Donc ça sert à rien dans ma lettre de motivation que je mette, je suis passionné. Sauf que je suis pas un vendeur, moi. Je t'ai raconté, ils accartons déjà rien que le... qui nous est arrivé hier avec le... Enfin, hier ou avant-hier, je sais même plus. Avec le matelas de ma mère. Déjà, ça m'a fait mal au cœur. Je pourrais jamais vendre des biens. Escroquer des gens. Je suis pas fait pour être travailleur à Micromania. Par contre, c'est quoi cet hôtel, là? Cet hôtel California. C'est fermé? La maison semble vide, j'en ai rien à foutre, je veux rentrer. Ouais, ils veulent des vendeurs de code. Et des mecs qui savent te vendre une garantie. Vous voulez la garantie Micromania qui ne sert à rien? Et qui nous a valu un procès? Et un gros texte en jaune sur notre site internet? Oh, le cap humain, qu'est-ce qu'il fait? Il était pris dans l'arbre. Merde. Hop, j'attends la sortie de l'école. Parfait. Oh, la musique. Chut. Ah, un vrai capidex, finalement. Mais il m'attaque. Tiens. Elle est marre. J'en ai marre de ce jeu où je comprends pas. Il me fait one shot par tout le monde.
Ah. C'est bon l'apéro, mais j'ai déjà tout bouffé, putain. J'ai vraiment un gros sac. Du coup, c'était pas des saucisses frites ou je sais pas quoi. C'était des... Comment on appelle ça, putain, merde. Des espèces de wrap. Tu vois, qu'elle a fait elle-même. Et après, elle les coupe en morceaux. Et du coup, t'as des petits morceaux de wrap. C'est très bon. Putain, les caps humains, c'est parfait, ils fuient pas, ils font rien. Ce soir, un gros tacos. Ah, let's go. C'est ça, un carton. Manger, il faut manger. C'est bon, le manger. En plus, dans le tacos, il y a plein de trucs, donc c'est parfait. Il y a plein de trucs différents. Putain, en fait, j'avais même pas capté, mais il y a des mustéflottes. Le mieux, c'est ça. Ah mais non, mais j'en ai plus que deux, merde. Je me casse. Objet perdu, parfait. Il y a encore le quai morse, là. Le quai d'Orsay. Petit trésor. J'ai un déficit de gras. Oh, Zacarton le maigre. C'est quoi l'inverse de déficit? Parce que moi je suis l'inverse dans déficit de gras. Et je vois une flamme là-haut. Je vais y aller instantanément. Je suis un collectionneur moi. Je fais les jeux à 100%, ok. Je veux mon spiritombe. Hop là. Petite flamme. 62 kilos overdose, ah ouais. 62 kilos. Ah oui. Ah merde, moi j'en fais 80. Et je suis plus petit que toi. Oups. ⁇ 67 la dernière avec le sport. Ah oui, d'accord. Bon bah, pauvre... Non, mais triste Zacarton. On va s'échanger un peu de gras, hein. Et salut, Xrit. Pourquoi les noms sont si compliqués? Vous êtes des Islandais, tous? Pourquoi y a pas de voyelles dans vos pseudos? Comment tu vas, Xrit? Ça va bien? Mais je me cache, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un Machoke. Mais j'avais déjà trouvé une grotte avec des Machoke. Y'a des rapions là-bas! Ça va bien, je commence le jeu. Bah, moi, nickel. Trop bien, tu commences le jeu. Je crois que tout le monde avait fini le jeu. Je commençais à en avoir marre. Attention, parce que je suis dans une zone un peu... Enfin, c'est pas si loin que ça, mais... Je voudrais pas te spoil, sauf si tu t'en fous. Mais je suis pas dans la première zone du jeu, quoi. Petit Machoke. Envoie le gras, j'y dis pas non. Mais moi, je serais très chaud pour échanger, hein, Zacarton. Parce que j'en ai un peu trop. Enfin, c'est pas dramatique, mais... Par rapport à ce que j'étais avant. T'es à la deuxième zone. Ah, tu l'as eu ce matin et t'as bourré, c'est ça? Ah bah bravo Xrit, moi je l'ai depuis le premier jour, depuis le 28 janvier. Sauf que j'ai fait que 3 streams dessus. Là c'est le quatrième, du coup j'avance pas en fait. En fait je viens de finir la deuxième zone en vérité. Là t'es dans les marais du coup. Et je viens juste de finir les marais et là j'arrive dans la troisième zone du coup. Et là-bas je vois un dôme là-bas. Sauf que j'avais toujours pas compris à quoi ça servait, parce que je suis allé dedans tout à l'heure et j'ai pas compris. Thérapion. Thérapie. Salut PKW, comment tu vas? Mais nice, tu peux retourner à la salle, Zacarton. Moi, j'ai jamais été à la salle, mais je vais reprendre le sport de chez moi, je pense. Je vais me faire un petit planning, là, je suis chaud.
Maintenant que j'ai plus de taf. Maintenant que j'ai du temps. Hop, sur le pied du match chopper. Oh non, il me fait faire du sport, Zacarton. N'hésite pas si tu veux faire un Mario Golf. Attends, tu vas y aller? Merde, j'ai pas vu. Oh mais non, mais je me fais taper. Attends, deux secondes. Hein. J'aimerais bien lire mon chat, mais je suis trop naze comme streamer en fait. Je cours du coup. On visite. Je devrais y aller, je vais chercher l'or. Ah oui, évidemment. Bah ciao, Zacarton. Ouais, ouais, il faudra qu'on se trouve un petit temps. Faudra qu'on se mette d'accord sur un moment pour jouer à Mario Golf. Ça sera sympa. Ça sera la première fois que je joue avec quelqu'un à Mario Golf. Parce que j'ai déjà joué en ligne avec des mecs, mais c'est pas pareil. C'est différent. PKW, il écrit comme, comme la hauteur maintenant. Il met des points. Comme les vrais gens. Attends, je vais faire mon sport. Hein. Attends, t'as mis combien? J'ai pas vu. 5 pompes. Donc 10 pompes, 5 abdos, 5 squats. Je me base avec Furisson level 21, Luxio level 20 seulement. C'est tout! Capture des trucs, mec! Putain, par contre, t'as pris Furisson. J'aurais tellement dû prendre Erisandre. Je regrette un peu en vrai. Mais bon. Brindibou était tellement mignon. Et son nom, quoi, Brindibou. Il y a un Octillery Baron. Là. Je suis caché. Cadeau, mon pote, mais non. Ah là là. Au revoir, Zacarton, bisous. Je vais bien, t'inquiète. Tu as vu un rondoudou, Lydie? Si oui, tu peux en attraper un. Bah, je crois pas en avoir vu, mais je l'aurais attrapé sinon. En général, les Pokémon que j'ai pas, bah, je vais les capturer. C'est ce que tu fais? Bah, parfait, mec. Parce que c'est vrai qu'un Luxio et un Furisson level 20, ça fait un peu pitié. Je vais faire mes pompes, les 10 pompes. Alors, il n'y a pas de caméra, donc faudra me croire sur parole. Aïe! Mais on dira à Zacarton que je les ai fait. Enfin, vous le direz. Mais je l'ai fait vraiment. Ah. Je commence par les squats. 1, 2, 3, 4, 5. Plus un cap bout. Oui! 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, les 10 pompes. Voilà. Ah, je suis fatigué. Putain, je crains. Je crains un max, mec. Et pour la peine, ça mérite un petit Diabolo. Voilà, merci, au revoir. Je continue. Après Xrid, j'ai pas l'impression, en vrai je te dis de faire une team, mais j'ai pas l'impression que les combats soient un vrai problème dans ce jeu. J'ai pas l'impression que le cœur du jeu soit les combats. Donc au pire, c'est quoi ces Pokémon là qui... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des Baby Manta et une Ray Manta énorme. Waouh. J'aimerais tant. J'aimerais tellement vous dire ce que veut mon cœur. J'aime pas s'il y a des rondoudous dans le jeu, hein, PK. J'en sais rien. Ça se trouve, il y a même pas rondoudous. Ça serait quand même étonnant, parce que rondoudou, c'est quand même culte. Non mais putain, oh, l'ergonomie du jeu. J'y arrive pas. Hein. Toi. Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon joie. Mon joie Saint-Denis. Ah bah la Macronie. Oups. Ah merde. Boulette drop.
Mais boulettes drop, oh là là. Il m'attaque lui. Ah, et un trésor par là. Je le détecte avec mon radar ours. Pauvre ours à King. Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Ah merde, c'est où? Fragment de fer x10, énorme! Voilà, c'est mignon quand il fait beau ici. Bon, il faut pas regarder trop loin parce que... Mais sinon, c'est coloré, c'est chatoyant. Ça fait plaisir. Oh, je me fais attaquer par un étourvol, au secours. Putain, mais il y a des obalis. Bon, attendez, parce que je... Merde. Oh là là, il y a un Draskor baron. Faut que je fuis. Faut me faire fumer. Ni trop près. MDR Yaiba. Yaiba, le personnage d'anime qui intervient au... quand c'est sa réplique. Il attendait derrière une porte en attendant de pouvoir dire un truc. Un truc frappant. Ça va Yaiba? Zagarton, enfin ton frère, il vient de partir chercher sa copse. Remadlax. Modelex. D'ailleurs, cette musique-là, c'est pas un remix de... Mais si, c'est un remix d'une des routes dans Diamant et Perle. J'en suis quasiment sûr. Je repars chercher du poids après chaque réplique. Il me manque chose, même. Que je me fasse mage. Que tu te fasses mage? Que tu fasses mage quoi? Mais regardez, c'est mignon en vrai. Faut, je dis, faut pas regarder trop loin, c'est parce que les textures des montagnes et tout, c'est un peu bizarre. Mais je veux dire... Ouais non, c'est pas très beau en vrai. C'est coloré quoi. Moi je trouve pas ça désagréable à regarder. C'est certes moche, mais ça va. Mettre à jour mon perso, oh là là. Mets à jour ton perso. Oh, une plante pépé. Non, c'est pas trop... Non, c'est pas très beau. Mais moi ça me choque, enfin c'est... En fait si, ça me choque parce que je le ressens, enfin tu vois, je le vois, c'est un peu dégueu, mais... Mais ça me dérange pas, ça que je veux dire. C'est coloré. Tu vois, c'est pas... Ça fait pas... Ça me déprime pas, donc ça va. Ça a son charme, je sais pas, peut-être. Je sais pas, combien qu'il y a un trésor juste là, là. Quoi? Il n'est pas là, le trésor? Moi, je vais descendre pour aller le voir, hein, je vous le dis, moi. Oh, l'ours à King qui se fait mal. Trop triste. Mais attends, mais je suis déjà venu ici. Mais il y avait déjà un trésor. Quoi? En 2007, ça passerait. Une pierre soleil, trop bien. Bah tu vois, c'est bizarre de dire ça, Yaiba, parce que... Quand on fait les jeux indés en pixels et tout... On dit pas, ouais, ça serait sorti en 1980, ça passerait. Ça marche pas comme ça. Et quand tu joues à un jeu rétro aujourd'hui, si tu joues à un jeu GameCube aujourd'hui, t'as le droit de le trouver beau. Moi je trouve qu'ils sont beaux les jeux GameCube, même les jeux Super NES. Pas le problème. Les jeux indés justement, là on parle de Pokémon. Bah Pokémon ils ont... c'est justement... L'équipe de Game Freak c'est la même là et ils sont une centaine. Et ils ont toujours été en retard parce qu'ils ont commencé en 1996 sur la Game Boy. Alors qu'il y avait déjà la PlayStation qui était sortie. Les mecs étaient bloqués en 2D sans couleur à une époque où la PS1 était déjà sortie. Donc voilà, pas de leur faute, c'est les temps comme ça. Et puis ils ont évolué comme ça, petit à petit. Donc ils vont à leur rythme. Tout a une histoire, tout a une logique. Et puis Pokémon Company n'investit pas... pas plus d'argent... dans Game Freak. Ouais, là par contre, tu vois, c'est... Là, là c'est... Là, ça fait... Là, oui, bon. J'aimerais bien... Attends, lui, il va me casser les couilles. Laisse-moi admirer mon paysage tranquille. J'essaye d'admirer un paysage. Le Musteflotte qui est en travers, là. Excellent. Attaque-le. Fais pas tomber mon Musteflotte, toi.
préparer un season pass, ça manque surtout de fluidité. Oh, la fluidité, non, ça va. Quand, en fait, quand tu regardes l'oiseau là-bas, qui est en 2 frames, c'est pour la distance d'affichage. Mais sinon, c'est en 30 fps le jeu, donc ça va. Non. Moi, 30 fps, ça me suffit, hein. Largement. C'est différent, la catégorie du pixel art. Mais pas que la catégorie du pixel art. Même les jeux qui sortent, qui sont pas en pixel art, ça va. On dit pas c'est moche. Ouais, ouais, mais en fait, c'est le compromis qu'ils ont trouvé de mettre des, de mettre des Pokémon en 2 frames au loin pour que au moins tu le vois, quoi. Au moins tu le vois, tu sais qu'il est là, donc je préfère ça. Hein. Pardon. Je suis encore en train de bouffer. Moi j'ai besoin de 60 minimum et encore sur PC je suis à 144. Non mais vas-y. Non mais vous êtes horrible. Au moins 60, non mais. Franchement, moi je vois à peine la différence entre le 30 et le 60 déjà. Donc qu'est-ce que je vais aller chercher du 140 FPS? Je vous rappelle qu'un film au ciné, c'est quoi? C'est 22 FPS, je crois. Donc arrêtez vos conneries, là, ça va. Un film, c'est 22. Bonne 4, voilà. Mais Yaiba, t'es pas d'accord que Mario Sunshine, il est beau? Pourtant, au niveau des textures, on n'est pas... pas très différent, quoi. Le 144 Hz, ça change la vie. Et un homme, non mais arrêtez. Putain, mais les PC, les PC giga PC, là. Allez dans le salon giga PC, parlez entre vous. Entre Deps. Entre Pokémon Deps, Pokémon Diamant, Étincelant et Perle Scintillante, hein. Plutôt que... Il a combien... Mais ça... Non mais on s'en fout, il a combien d'années? Au final, tu joues au jeu... Là, si je joue à Mario Sunshine aujourd'hui, bah, je le trouverai toujours aussi beau. C'est pas une question de quand est-ce qu'il est sorti. Moi, je m'en fous. Demande trop pour un jeu Switch, nous dit Xrit. Non mais la Switch elle peut faire quand même mieux que ça, mais oui, faut pas. Je vous rappelle que la Switch c'est une console de portable. Hein. Vous êtes des connards aussi avec vos PC. Il a raison, Xrit. C'est encore différent un film et un jeu, mais je m'en fous, c'est juste pour vous donner un exemple. Ça change quoi? Moi je comprends pas ce que ça change en fait. Un film en 24 FPS ça donne pas la nausée, mais un jeu si. Bon, regarde, tu vois, je tourne comme ça, bah c'est pas un diaporama, donc ça va, tu vois. Je suis bien, là. Tu m'augmentes en image, j'en ai rien à foutre. Tant que c'est à 30, c'est bien. FPS, c'est le minimum. Vous êtes des malades, moi, 30, c'est le minimum. Sur un plan technique, ça compte. Là, c'est que ton ressenti, tes émotions. C'est même pas le problème de graphisme ou quoi. C'est un lissage qu'il y a derrière. Ils se sont branlés les couilles. Le taux de rafraîchissement. Oh, je sais pas. Faut parler chinois. Sorti en 2004, Sunshine, non, Pékin en 2002, je crois. Il est sorti 2002 au Japon, je pense, c'est 2003 chez nous, non? Il est sorti assez tôt, hein, dans l'histoire de la GameCube, il me semble.
144 FPS pour 144 Hz. Et là, ça va... Mais je comprends rien à vos Hz, à vos... On fout la différence et je m'en fous, putain. Moi, ça me va, là. Ça serait de mauvaise foi. Mais peut-être qu'on voit la diff, mais le problème, c'est que c'est pas... En fait, je m'en fous, c'est surtout ça. Vous vous branlez sur des qualités techniques. Alors que c'est un jeu. Un jeu ! ...2003-2004, c'est presque pareil. Non, non, non ! En plus, ça doit être début 2003, parce que ça, je pense qu'il est sorti en 2002, le jeu. Na. Oh, na, na. What's my name ? Oh, il y a une flamme là-haut. Oh, il y a le volcan là-bas. Bon, on va là-haut. Est-ce que j'utilise ma strat... ma strat ancestrale de Skyrim ? Est-ce qu'elle marche ? Non. Alors... Hop, autre strat. Non, ça marche toujours pas et je suis en train de faire de la merde. Hop, on fait ça, tac. On essaye d'arnaquer le jeu. Hop, on saute. Non, on peut rien faire, bon, tant pis. Ben oui, je joue sur une TV cathodique. Évidemment. Y'a que ça devrait... Non, je tombe! Et je me noie. Un jeu, c'est technique, mais pas que. Et pour moi, très peu. D'accord, Yaiba. Du confort en plus. Mais donc, vous ne pouvez donc pas jouer à des anciens jeux, c'est donc ça. Vous êtes incapable d'apprécier un jeu dit rétro maintenant. Vous ne pouvez plus apprécier ce genre de jeu. Je suis encore noyé. Hein. À force de lire vos conneries, là, je fais n'importe quoi. Oh, il y a un gros chat. Mais non, mais c'est un baron. Oh. En même temps, il est tellement gros, j'aurais dû m'en douter. Et pourquoi je vais là, en fait ? Je me tape, j'adore le jeu par nostalgie. D'accord, mais alors, Yaiba, un autre jeu que FF7. Un jeu auquel t'as jamais joué, étant petit. Aujourd'hui, tu serais incapable de l'apprécier, donc. Y a pas de Ménandidi. Fermez-la. C'est du sophisme. C'est toi, Sophie. Pokémon, il date de ses dates. Mais ça change quoi ? S'il était sorti il y a 10 ans, ça serait il aurait la même gueule. Et ça serait comme ça, quoi, c'est tout. C'est comme si tu jouais à un jeu rétro, là. Tu peux apprécier un jeu sans ses qualités techniques. C'est mon avis. Je fais du sophisme, j'en ai rien à foutre. Faut que j'aille voir la définition de sophisme, exactement. Si on parle de jeu rétro, on place déjà un contexte. Quel contexte ? Non, genre, tu prends un jeu, moi, tu vois, j'ai mon étagère, je prends un jeu au hasard, n'importe quelle console. Tu vois, c'est un jeu, quoi. Donc, ça peut être PS2, GameCube, PS1. Il aura des qualités techniques différentes, mais ça n'enlèvera rien à sa qualité ou au fait que j'aime pas... En gros, tu me sors... Si Mario Sunshine n'était jamais sorti et qu'il sortait aujourd'hui, il serait toujours aussi incroyable pour moi. Alors que s'il sortait aujourd'hui, on dirait, bah ouais, il est un peu moche, le jeu.
Là, je devrais jouer à ce jeu que je trouve dégueu en me disant « Ouais, mais il est sorti il y a 10 ans. » D'accord. Tu fais vraiment un contexte. Moi, j'en ai rien à foutre. Faut juste avouer qu'il est moche. J'ai pas dit qu'il était très beau. Non plus. Il a un Greek note, le méchant. Quel méchant? Madlax? Non, c'est Yaiba, le vrai méchant. Madlax, il doit avoir un Greek note dans son équipe. Ou tu me parles de Garana, avec ses Caninos. Putain, mais d'ailleurs, il y a Caninos, là. En mode issue. Vous m'empêchez de voir la qualité du jeu. Regardez! Il y a des Caninos anciens. Oui, je sais, dans le jeu, j'ai bien compris. Le fils du roi, c'est le grand, le petit. C'est le petit. On a voulu nous escroquer. Bravo, tu as l'œil, voilà. Je suis trop chaud. Si j'avais dit le grand, elle m'aurait dit bravo, tu as l'œil aussi, c'est ça? Tu sors le même jeu aujourd'hui, il sera raillé. Raillé? Non, pour moi, ça sera pareil. Ça serait pareil. Vous sortez trop de mots compliqués, il va falloir que j'aille ouvrir un dictionnaire pour une fois dans ma vie. Sophisme. T'es pas prof? Je ne le suis plus, d'une part. Et d'autre part, être prof ne sous-entend pas que tu as... Que tu as... Déjà, je sais pas comment je suis arrivé à être prof, alors que je fais des fautes d'orthographe dans toutes mes phrases. Je suis passé entre les mailles du filet, je sais pas trop comment. Personne s'en est rendu compte apparemment. Alors que je fais une faute par mot. Je suis venu visiter l'île du feu. Le système s'effondre. Mais en fait sur Paris, c'est. Enfin, en région parisienne, c'est hyper facile le concours. J'étais très mal classé sans travailler, évidemment, mais... J'étais mal classé au concours, mais je suis passé quand même, quoi. Donc tu peux laisser un peu n'importe qui. Il m'étonne d'argumentation foireuse. Il y a des principes ou c'est juste une méthode foireuse, quelle qu'elle soit. Personne veut bosser là-bas. Il y a de la place et il y a besoin de monde, surtout. Surtout ça. Traverser la mer à d'autres parts gruelles. Didi aime les jeux rétro, donc il déteste les jeux next-gen. Oh mais... non, là tu résumes très mal ce que... Non, Madlag, je ne peux pas. D'accord, bon, c'est un exemple de sophisme. Ok, Madlax, merci, hein. Mais attention, hein. Attention. Quand ça semble logique, mais qu'en creusant un peu, ça ne l'est pas. Voilà, très bien.
Non, alors c'est... Non, Madlax. Attention, Madlax. Tu as dit qu'on n'aime pas jouer à des jeux rétro parce qu'on parle de beaux graphismes et de techniques. C'est pas ça. C'est que vous avez dit très clairement, je ne peux pas jouer à un jeu en dessous de 60 FPS, déjà. Donc, les jeux d'avant qui sont en 30 FPS, ça veut dire que vous pouvez pas. Après, je sais pas. Genre, sur GameCube, il y avait déjà du 60 FPS, je crois. Mais pas beaucoup. Mais j'ai pas fait le raccourci en mode vous aimez la technique. Moi aussi, j'aime bien quand un jeu il est beau. Évidemment, je préfère quand le jeu il est beau. Quand techniquement il est réussi, c'est bien. Genre, ça rajoute quelque chose. Enfin, ça peut rajouter quelque chose. Quoique, des fois. Mais 60 Hz, pas 60... j'en ai aucune idée de ce que ça change. Je joue à Dofus, qu'est-ce que tu me parles? Mais ça veut dire que vos arguments ils sont mauvais alors, c'est tout. Si vous dites que vous pouvez pas jouer à des jeux moins de 60 FPS ou il y a une distance d'affichage moindre ou je sais pas, les textures sont pas lissées, je sais pas trop quoi. Parce que c'est sorti aujourd'hui, je sais pas, moi je comprends pas comment on peut, enfin je sais pas. Mais Dofus a 15 ans, oui. C'est juste que le jeu date de cette année, ils peuvent faire mille fois mieux. Ouais, mais Yaibasa, je comprends ce que tu dis. Mais, du coup, enfin, ils peuvent faire mieux, mais ça ne l'est pas. Mais c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est avant, c'était comme ça, et c'était pas moins bien. Là, j'ai l'impression de voir de la 3DS. Bah si, c'est grave. Bah non, je trouve pas ça grave. Mais en plus, Yaiba, tu ne sais pas comment... Enfin, tous les deux, on ne sait pas comment marche une boîte de développement de jeu, exactement. Et en se renseignant un tout petit peu sur Game Freak, tu vois que c'est pas qu'ils font pas d'efforts. Tu peux pas dire qu'ils font pas d'efforts. Game Freak, c'est une boîte de 100 personnes, ils doivent être en crunch tout le temps, les mecs. C'est pas eux le problème. C'est la Pokémon Company qui investit rien dans son studio. Ils font des efforts, eux, hein. Je te prie de croire que... Enfin, ça s'explique hein, que le jeu il soit comme ça aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont rien branlé. Pas vrai de dire ça. Salut Jeanlin. À qui ça dit un Étoraptor Shiny? Ben alors Jeanlin. Alors d'une part bonjour et d'autre part regarde ça. Qu'est-ce que tu vas faire? À la parole et nous on a de l'écrit comme des victimes. Et oui Madlax, c'est comme ça. Mais en plus même avec ma parole j'ai la flemme donc. Évidemment qu'on ne demande pas du 60 FPS sur les jeux rétro. Mais du coup, mais oui mais je ne comprends pas pourquoi on peut pas jouer à des jeux de maintenant en moins de 60 FPS du coup. Enfin quand tu rejoues à un jeu d'avant. T'es pas dans le contexte d'avant, t'es dans le contexte d'aujourd'hui, donc ça devrait te faire chier. Sauf que non. Tu peux y jouer parce que c'est un bon jeu. Ouais, mais les limitations techniques de l'époque, ça demandait des choses. Aujourd'hui, ça demande de l'argent et des gens aussi de faire de la 3D. Tu crois que la 3D, ça se fait aussi facilement que de la 2D? Préfère faire Pokémon Bleu sur Game Boy que celui-ci. Voilà, c'est dit. Par nostalgie. Un Étoraptor Shiny Baron, alors j'essaye de refiler un Étoraptor, car j'avais un étourni Shiny. Ah, ça marche pas, moi j'ai un Étoraptor, tu vois, c'est mon seul Shiny. Et j'en suis fier, je le garderai toute ma vie. Ça coûte pas grand chose du 60 FPS, mais vous êtes fou, mais vous savez pas de quoi vous parlez. Même moi je connais pas comment ça marche. Enfin, s'il pouvait faire du 60 FPS, il le ferait. Comment ça coûte rien? Il y a une limitation technique aussi, la Switch. Tu es habitué maintenant. Moi, je suis pas habitué. Hein. Heureusement que je me suis jamais allé vers le PC, du coup. Hein. Si j'étais devenu des gros cons comme vous,
Là, je suis content là. Hein. La 2D est bien plus difficile à faire que de la 3D. Tu fous de notre gueule ou quoi? La Pokémon Company, avant, ils étaient même pas 50, ils ont dû doubler leur effectif quand, au passage à la 3D. Des mecs full indé te sortent des jeux. Mais oui, mais ça veut rien dire. Ils mettent plus de temps, ils ont pas je sais pas quoi dans leur dos, ils font des jeux pour le PC, donc pour le PC c'est bon. Là, tu dois prendre en compte la Switch. C'est parce que tu restes dans ta grotte, c'est pas vrai. Je suis très au fait. C'est pas la preuve qu'elle sort une console éclataxe. La console a 4 ans. Elle a 5 ans, d'une part. Elle a eu 5 ans avant-hier, bon anniversaire. Respectez-la. Et ensuite, c'est une console portable. Un jeu aujourd'hui avec une caméra dynamique à 30 fps, mais tes yeux saignent. Breath of the Wild est en 30 fps. Combien te finance Nintendo pour tenir tel propos? Vous êtes matrixé par la technique. Pour vous, un jeu n'a pas... Vous ne savez plus apprécier l'âme, le gameplay, l'univers. Tout ce qui fait un bon jeu. Vous êtes là, oui, 60 FPS. Je rigole, c'est bon, non, mais je vais peut-être un peu loin. Non, mais c'est bon, je rigole, oh là là. Tout va bien, tout va bien. Mais il y a 5 ans, on avait des téléphones plus performants. Mais ça change rien. Vos téléphones à 1000 balles, d'une part. Console de jeux vidéo. Je vous accuse. Voilà, pour la peine. Regardez, ça, c'est le racaillou, là, c'est vous. Et Nintendo, c'est Musteflot. Boum. Vibra quoi? Vous êtes confus et vous êtes mort. Cinq pompes. Bah, je les ferai pas. Pas venant d'un giga PC comme toi. Espèce de ça, les giga PC. Retourne danser avec Ricardo. C'est ça, Xrit. Alors, Yaiba, ton but, c'est seulement les FPS. C'est quoi ces résumés débiles? C'est le même résumé que vous faisiez quand j'ai parlé de jeux rétro et que vous disiez « Oui, mais si on joue à des jeux de maintenant, on peut plus jouer à des jeux rétro » ou je sais pas quoi, là. Fais pitié. Ah. Désolé, hein, aujourd'hui je suis d'humeur à être chiant. Hein. Même moi je m'énerve, hein, sachez-le. Hein. Enfin, je tiens mes propos, mais en vérité j'en ai rien à foutre. Mais parce que vous me faites chier, je vais vous faire chier. Oula, c'est quoi ce... Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus où je suis perdu. C'est bon. J'aime pas Macron, donc je suis prêt. Bah oui. Comme tous ceux qui aiment pas Macron. Merde, je peux pas... Oh, mais c'est de la merde, ça, je m'en fous. Enfin, c'est de la merde, j'en sais rien, en fait, mais... Là, je vais regarder un fond d'écran Windows en 240 Hz. Voilà. Bien sûr que tu vas kiffer. Espèce de giga PC. Horrible, Yaiba. Va regarder ton écran Windows, là. Mais tes raccourcis, Madlax, sont encore plus débiles. Tu fais des blagues, là, mais c'est... Alors que ça résume pas du tout la situation. Moi, je vous ai expliqué, hein. Après, si vous écoutez pas, c'est votre faute. Mais non, mais il y avait la musique, putain, arrêtez de m'attaquer.
Non mais Madlax, tu recommences avec tes jeux rétro alors que j'ai pas dit ça. Je me suis réexpliqué pour les jeux rétro et c'est pas du sophisme. Pourquoi tu veux pas admettre que ça fait sens ce que je dis? En fait, votre seul argument contre ça, c'est que oui, mais c'est une autre époque. Et qu'aujourd'hui, on peut faire mieux. Et oui, on peut faire mieux aujourd'hui. Mais ça change pas le fait que... Enfin, je vais me taire parce que je vais m'énerver. On va tourner en rond. Là, les deux, ils vont me dire « Mais non, mais tu comprends rien !» Espèce de giga PC. Ou un dé avec ses rétros, tu as dit rétro. Hein? Tu comprends? C'est vous qui comprenez rien. Gigapod, là. Comment on monte là-haut? Faut vraiment faire un Skyrim, là? Hop là, je triche. Attendez, hein, y a des strats. Voilà, hop. Merde, je suis sûr que ça passait. Non! Oh là là, ça passe! Putain, mais cette triche, je suis sûr qu'il fallait autre chose. Ça, à mon avis, ça devait pas être... Allez vous plaindre dans le salon Giga PC. Pour toute réclamation, c'est dans le salon Giga PC. Ici, on lance des musteflottes contre des arbres. Des arbres avec des feuilles en 2D. Et on est heureux. Et on va aller manger des pâtes. Et ça me rend encore plus heureux. Comme prévu, hein, ça fait une heure que je suis arrivé dans cette zone et j'ai rien fait. Bon, en même temps, j'ai fait que lire le chat parce que vous parliez trop là. Et Quoique si, en fait, j'avais dit qu'on irait pas là-haut, mais on l'a fait, hein. On est allé sur la falaise. Finalement, on a bien avancé. Je suis assez fier de moi. Ce qu'est Morse. On peut pas argumenter avec Diddy Kun. Si, on peut. Je pourrais dire pareil, on peut pas argumenter avec vous. Quand je vous donne un argument, vous ne l'écoutez pas. Vous ne le comprenez pas. On est tous pareils, on est tous dans le même sac. Tout le monde s'exprime. Personne n'écoute. Aurel singe. N'importe quoi. Yaiba, je suis sûr qu'il est trigger de ouf. Pardon Yaiba. Hein. T'es tombé un mauvais jour, c'est tout. Je suis déjà venu ici. Ça c'est du Orelsan. Ouais, ça c'est du Orelsan. J'essaie de trouver une autre citation dans Orelsan, mais j'arrive pas. Au fond, je crois que la Terre est ronde. Hein. Comme disait Orelsinge. C'est du cœur. Mais ouais, vous êtes frustrés dans le chat. Vous êtes des gigapodes. Des gigapc frustrés. Oula, il y a un aquaquak baron. Mais je suis pas venu ici déjà. Ou alors j'étais resté. Ah, mais non, mais j'étais là et je suis pas passé au-dessus de ça. Je me suis dit, un mur, je ne peux pas le gravir. Alors qu'en vérité. Non, mais lui, il va m'attaquer, putain. Oh. Non, mais arrête de faire des trucs. Ouais, c'est ça, Yaiba. Bon appétit. Et bon film. En 24 fps. Streamer est de mauvaise foi. Mais je suis pas de mauvaise foi. Vous êtes horrible. Te force pas, connard. Bonne soirée à tous, surtout à toi, Didi. Ouais, bonne soirée à tous. Hein. Au revoir, merci. Non, viens plutôt manger avec nous. On pourra discuter de ça à table, mot de l'ex. Avec des pâtes
et du poulet. La nourriture réunit les hommes. Je suis sûr qu'on pourra s'entendre. Même si on n'est pas d'accord, on pourra comprendre nos idées, l'un et l'autre. Pour finir ce stream joli... Oh, il y a un Pijako! Quand on sait l'histoire que j'ai avec Pijako sur Pokémon Diamant Étincelant, je ne peux que... Mais lui, il va me casser les couilles. Mais non, il a renversé la table. Trop bien. Putain, Madlax, c'est fort. Il renverse la table en stream. Non, je tombe. Vous qui dites la tombe de quoi? Mais c'est faux, je suis là. Je suis tombé, c'est pas ma faute. Je vais manger d'ailleurs bon app. Mais non, tout le monde s'en va. Voilà. Vous avez perdu le débat, c'est ça? Vous en allez? Vous ne trouvez que la fuite? C'est ça, hein? Avec les sourcils froncés par ta faute. Bien fait. Bien fait pour toi. Les poings serrés. Le cœur ouvert à l'inconnu. Il suffisait de te parler. Ah, mais regarde! La photo... Enfin, regardez! Regardez le chat! Cette photo, c'est celle qui nous a montré le monsieur photo. La nuit, il y a des Skelenox qui doivent se balader ici. À la place des Pijako, j'imagine. Mais Pijako, je suis obligé de le capturer. Pijako, il nous avait carry dans Diamant Étincelant. Ça va, Xrit? T'en as pas trop marre d'écouter un connard dire des conneries? Et de lire Yaiba et Madlax qui disent des conneries? D'ailleurs, vous êtes combien? Pourquoi on est 9 spectateurs? Qui est-ce qui nous écoute discrètement et qui veut rien dire? Il y en a qui prennent pas part au débat parce qu'ils sont d'accord avec le streamer. Voilà. Madlax et Yaiba, c'était 2 face à 7. Pijako, quel Pokémon de merde. Fin du débat. Au moins, on est d'accord sur un point. On est d'accord sur un point, Modlex. Par contre, Pijako, ouais, c'est un Pokémon de merde, mais... sur Diamant Étincelant, je crois qu'il avait carry à un moment. Et on était tous déçus qu'il soit mort. Je m'en souviens, hein, même toi, t'étais déçu. Fais pas le mec. Fais pas le mec sans cœur. Bon allez, il va être l'heure d'aller manger pour moi aussi, en vrai. J'entends que ça met la table, je vais me faire Daronade à 26 ans encore. On va encore se foutre de ma gueule. C'est quoi ça, stylé? Il y a un méga Pokémon roche sous l'eau. Et on voit ses cornes qui dépassent. Évidemment, non. Ça serait trop bien pour être vrai. Et il y a une meuf là. Bon, je te parle et puis... Et puis j'arrive. Je suis contente. D'accord, il faut que je trouve qui? J'ai pas compris. Trouver Yorish. Ah, et si on le trouve, il y a le bivouac ici, très bien. Fort bien. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça non plus. Décidément, je me ferai jamais au menuing de ce jeu, voilà. Bon, moi, j'ai tout fait sauf la bonne touche. Bravo à moi. Quoique, si c'était vraiment ça, putain, c'est ça. Sauf qu'après, il faut faire ça. Et je me suis encore trompé. Sauvegarder, voilà. Tout va bien. Le jeu est sauvegardé. tiens, pour la peine, on va aller raid Antistar. Je l'ai déjà raid plusieurs fois, ce mec. C'est un vieux de la vieille. Lui, au moins, il sera d'accord avec moi. Il est en train de jouer à Donkey Kong Land 2 sur Game Boy. Donc, un jeu qui est pas en 60 FPS et qui est pas en 4K non plus. Donc... Donc, voilà. C'est un mec qui fait des solus pour JVcom et tout, hein, respectez-le. Moi, je l'aime beaucoup. Il a une grosse culture. Et merci d'être resté sur ce live. Ce live maudit à cause de Yaiba et Modlex. On les déteste. On les déteste tous et on déteste tous les giga PC. Merci Nintendo. Allez, j'arrête d'être un connard. Le raid a été créé. Le raid a été créé. Voilà. Je vous souhaite bon appétit à ceux qui vont manger. Je me souhaite bon appétit à moi-même. Je vous dis merci, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit follow pour qu'on se revoie bientôt. Très bientôt.
si tel est votre désir. Encore merci, des bisous, à la prochaine.